Que Dieu bénisse son serviteur, acclamé très fort. Bikele. Rapidement, nous prenons Genèse chapitre 1. Le verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Il y a des frères qui nous ont. On est encore dans les arrangements, ça va aller. Genèse 2. Dieu. Oh là là. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand tu le fais créer. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. J'aimerais prendre aussi les versets 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Veuillez vous asseoir. Tu peux saluer ton frère à côté là, dis-lui Dieu te bénisse. On salue Jirani wako kupembeni umweleze Mungu akubariki. Dis-lui bon dimanche. Umweleze Jumapili njema. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Bon dimanche. Jumapili njema. Alors, qui est l'homme? Basi mutu ni nani? Les deux chapitres de la Genèse montrent ce mystère l'homme. Parce que l'homme c'est un mystère. Ah ça je te l'ai dit déjà. Que l'homme c'est un mystère. Alors dans Genèse 1, Dieu dit, Mungu anasema,
Faisons l'homme à notre image. Tufanye mutu kwa picha yetu. Qu'il soit à notre propre ressemblance. Awe kwa ufananisho yetu. Ça c'est la première fois que cet homme est venu. Injo mara ya kwanza ule mutu akakuja. Et quand Dieu parle de son image, na wakati Mungu anasema kwa ajili ya picha yake, sa ressemblance, ufananisho yake, il dit que cet homme va dominer. Anasema ule mutu atatawala. Qu'est-ce qui lui donne la possibilité de dominer? Nini namupatia ile uwezo ya kutawala? C'est parce qu'il est à l'image de Dieu. Ni kwani eko kupicha ya Mungu. Tellement qu'il ressemble à Dieu. Vile anafanana zaidi na Mungu. Cet homme a le pouvoir de dominer. Huyu mutu eko na uwezo ya kutawala. Le même homme. Huyu mutu moja moja. Va venir en seconde étape. Atakuya mara ya pili. On dit que wanasema, dans Genèse 2, mumwanzo sura yake ya pili, il n'y avait aucun homme pour cultiver le sol. Akukuaka mutu hata moja kwa ajili ya kulima. Ainsi Dieu hivi basi Mungu tira l'homme de la poussière de la terre. Alitosha mutu mavumbi ya budongo. Et il souffla dans ses narines. Nalipumza mpua yake. Et qu'est-ce que la Bible dit là? Na Biblia nasema nini pale? Par rapport à l'homme formé, kulingana na ule mutu aliyetungwa, pour cultiver la terre, kwa ajili ya kulima budongo, Dieu, Mungu, lui a béni, alimubariki, ça c'est vrai, hii ni kweli, Dieu, Mungu, l'a sanctifié, alimtakasa, et Dieu se reposait en lui. Na Mungu alitulia ndani yake. L'Éternel a formé cet homme de la terre. Wa milele alimtunga huyu mtu wa mavumbi. Et on a dit à cet homme, na walielezea mtu ule, va cultiver la terre. Wendo kalime budongo. Mais le premier homme, kwa lakini ule mtu wa kwanza, il était double. Alikuwa wa maradufu. Il était masculin, féminin. Alikuya mume mwakati moja muke. Dans un seul corps. Ndani ya mwili moja. Et à cet homme double là, na kwa ule mutu wa bipande mbili, Dieu lui dit de dominer. Mungu anamueleza atawale. Parce qu'il est à son image. Kwani yuko kwa picha yake. Dieu lui dit d'être fécond. Mungu anamuelezea akuwe na buzazi. Dieu lui dit de remplir la terre. Mungu anamuelezea ajaze budongo. Dieu lui dit d'assujettir la terre. Mungu anamuelezea atawale. Donc cet homme a de pouvoir. Mutu ule ko na mauwezo de dominer ya kutawala et d'assujettir la terre. Na ya kuonea budongo. La terre ne va pas l'assujettir. Budongo abuta mone abuta mtawala. Mais lui kwa lakini yeye va assujettir la terre. Toi tatawala budongo. Parce qu'il est à l'image de Dieu. Kwani eko kwa picha ya Mungu. Dieu lui dit multiplier, remplissez la terre. Wakati Mungu anamuelezea zidisha na ujaze budongo. Il est à l'image de Dieu. Eko kwa picha ya Mungu. C'est avant qu'il soit formé dans la poussière. Ni mbele ya ule mtu atungiwe mavumbi. Et l'homme de la poussière. Na ule mtu wa mavumbi. Comme on a vu vendredi. Paka vile tuliona mkazitano. Il pouvait être debout comme un monument. Aliweza kuwa bwima kama monument. Ses orteils pénétraient dans le sol comme les racines de l'arbre. Bilole yake bilingia mbudongo kama mizizi ya muti. Et Dieu souffla en lui pour qu'il bouge. Alipumza ndani mwake ili atenge. Na Branham alitufasilia. Il dit Dieu a simplement pris l'homme créé à son image. Mungu alichukua tu ule mtu aliumbaka kwa picha yake. Il l'a fait entrer dans l'homme de la poussière. Anamuingiza mule mtu wa mavumbi. Et il a commencé à bouger. Na ule mtu akaanza kutembea. Donc c'est ça le souffle. Manakele njo pumzi. C'est que Dieu a soufflé. Comme la Bible dit, mais Branham dit. Anaya kusema Mungu alipumza sabili bien anasema kwa lakini Branham anasema. Vous croyez à Branham plus que ce livre là? Mnamwamini Branham kushindia ile kitabu ile? Parce que Branham dit je peux voir. Kwani Branham anasema mimi naweza kuona. Comment il prend l'homme? Namna gani anamchukua ule mtu? À son image. Wa picha yake. Il l'a fait entrer. Anamuingiza dans l'homme de la poussière. Ndani ya ule mtu wa mavumbi. Donc il est double. Maana yake kwa vipande mbili.
L'homme à l'image de Dieu. Mutu wa picha ya Mungu. Et l'homme à l'image des animaux. Na mutu wa picha ya manyama. Cet homme ici là de la terre. Uyu mutu wa bulongo uyu. Il a les mains comme les singes. Eko na mikono kama makaka. Il a les pieds comme l'ours. Eko na mikulu kama ndubu. Lui n'est pas à l'image de Yeye Dieu. Yeye ana kwa picha ya Mungu. Lisez bien votre Bible. Na soma muzuri Biblia yako. Quand la Bible parle de Dieu se reposa. Wakati Biblia nasema kuhusu Mungu alitulia. C'est après avoir fait l'homme de la terre. Nikisha ye kuumba ule Mungu mutu wa mavumbi. Et c'est dans cet homme là que Dieu a pris le repos. Na ndani ya ule mutu ule ndio Mungu alitulia. Parce que la doctrine c'est Dieu dans la chair. Kwani mafundisho ni Mungu ndani ya mwili. Jamais Dieu dans la théophanie. Kamwe Mungu ndani ya théophanie. Dieu dans la chair Mungu ndani ya mwili ya mtu. C'est très profond. Ni upana kabisa. Quand j'insiste sur la base, wakati c'est parce que c'est très profond. Kwani ni ya kabaila kabisa. Dieu sanctifia le septième jour. Mungu alitakasa ile siku ya saba. Dieu bénit le septième jour. Mungu alibariki ile siku ya saba. Et Dieu se reposa le septième jour. Mungu alitulia ile siku ya saba. Vendredi nous avons vu dans les prophètes. Mukazitano tuliona nabii. Que c'était pas des jours matériels. Haikuwa masiku ya kawaida hivi. C'était des jours symboliques. Ilikuwa masiku ya kialama. Ce jour là c'est cette tâche de l'église. Ile siku ile bizazi saba ya kanisa. Cette jour de la création masiku saba maumbile veut dire cet âge de l'église. Maana yake bizazi saba ya kanisa. Où le jour c'est un messager. Où le siku ni mujumbe. Si y a un septième jour kama kuko siku ya saba que Dieu a sanctifié ile Mungu alitakasa c'est William Branham. Ni William Branham. Parce que là au commencement en Eden, il n'y a pas le péché. Qu'est-ce que Dieu va sanctifier? C'était encore à l'aube de la création. Et une note importante. Je vous ai lu frère Branham que Dieu a créé en sept jours. Parce que la Bible dit, Dieu acheva au septième jour. Mungu alimaliza kuumba musiku ya saba. Et il se reposa. Kisha akatulia. L'œuvre du septième jour. Ile kazi ya siku ya saba. C'était l'homme de la terre. Ilikuwaka ule mutu wa mavumbi. Il n'était pas lui seul. Akukuwaka ye peke. Même son épouse. Ata muke wake. Est venu le septième jour. Alikuwa siku ya saba. Avant que Dieu ne se repose. Bele ya Mungu atulia. Le septième jour sanctifié. Il est siku ya saba iliyotakasiwa. C'est un Branham né dans le péché. Ni ule Branham alizalikia muzambi. Dieu le sanctifie. Mungu anamtakasa. Le septième jour béni. Il est siku ya saba iliyobarikiwa. C'est un Branham né d'une famille pauvre. Ni ule Branham alizalika mfamilia ba maskini. Que Dieu a béni. Na ule Mungu alibariki. Là où pour manger, il fallait préparer l'alcool. Kule njuba kurie ilipashwa bapike lutuku. Mais Dieu l'a béni. Walakini Mungu alimubariki. Famia kwai que Dieu avait béni frère Branham. Bangapi banaamini kwamba Mungu alibariki ndugu Branham. Ah. Ah. Il est passé de l'humiliation à l'élévation. Alitoka kuaya anainyuliwa. De moquerie à la gloire. Upia kumuchekelea anaenda kutukufu. Le ministère de frère Branham. Ile huduma ya ndugu Branham. A connu un moment de moquerie. Ilipata wakati ya kumchekelea. Il y a un moment où dans la réunion il avait honte. Kulikuya wakati ile mumkutano alikuwa na haya. Des pasteurs allaient dans des conventions. Bachungaji bakuwa naenda mumutanguso. Avec des Cadillac. Na magari nzuri. Des voitures très chères. Magari ya bei kabisa. Mais lui il avait la vieille Ford. Lakini yeye alikuwa na kifordi kia zamani. Il disait l'essentiel c'est d'arriver. Na bwana sema kia lazima ni kufika. Il dit cette vieille Ford. Asema ile gari Ford ya zamani. Ne m'a jamais déçu. Aija nifazaishaka. Il m'a amené toujours à la destination. Ilikuwa nipeleka kila mara kule nilikuwa naenda. Mais il est arrivé un moment. Lakini ilifika wakati ile. Où le septième jour était béni. Pale siku ya saba ilibarikiwa. Et si tu es la semence du septième jour, na kama wewe uko mbeko ya ile siku ya saba, tu ne finiras pas ta vie en train de pleurer. Hautamaliza maisha yako mukirio. C'est un Dieu juste. Ni Mungu muaki. Gloire à Dieu. Otokofu kwa Mungu. Dieu est juste. Mungu eko.
Si ce message est vrai, kama hii ujumbe ni ya kweli, si Branham est prophète, kama Branham ni nabii, si je me tiens sur la parole, kama mina simamia paneno, Dieu doit te bénir. Mungu anapasha kukubariki. Frère Branham dit, Branham anasema, il va arriver un moment où la bouche des critiques sera fermée. Kutafika wakati moja, bale bala kushibangaka batafunga binywa. Dieu ne peut pas laisser les gens se manquer du message. Mungu ataweza kuacha batu bachekele ujumbe. À moins qu'ils soient morts il y a longtemps. Ni pa kama alisema kufa tangia zamani. Mais comme Dieu est vivant. Lakini vile Mungu ni mzima. Reste avec la parole. Bakia na neno. Avale la parole. Meza neno. Avale le message. Meza ujumbe. Dieu a béni le septième jour. Mungu alibariki siku ya saba. Ce message nous lave. I ujumbe na tuosha. Ce message enlève la honte. Iu jumbe na ondoa haya. Et puis Dieu se repose. Kisha Mungu anatulia. Donc il lui a donné et la divinité et l'argent. Alimpatia na bumungu na pesa. Et une bonne vie sans péché. Na maisha nzuri bila dhambi. Amen. Amina. Le septième jour c'est un homme. Siku ya saba ni muntu. L'homme théophanie, ou le mutu wa kitéophania, dans l'homme la terre, ndani ya ule mutu wa mavumbi. Et c'est ce jour-là, na ule siku ya saba ule, la Bible dit comme il n'y avait pas de pluie. Biblia nasema vile hakukuwaka mvula, Dieu, Mungu, a amené une vapeur, arileta mvuke. Dans les cieux, mbinguni, de la terre aux cieux, kutoka mavumbi kwenda mbinguni, et la vapeur a arrosé le sol, na mvuke ile ilimimia budongo, et l'homme devait cultiver un sol arrosé, na mutu alipasha kulima budongo bulio mimiwa. Pas une terre qui a reçu la pluie. Apana bulongo ile kwesha kupokea mvula. Mais une terre arrosée. Lakini bulongo yenye kumimiwa. Parce que le réveil de la pluie. Kwani ile amko ya mvula. C'est le réveil de tout le monde. Ni amko ya bote. Ça tombe sur les pentecôtistes. Ikuna nyeshe ya wampenta. Ça tombe sur les méthodistes. Ça tombe sur les protestants. Ça tombe même sur des frères qui ont des brochures. C'est là où les gens commencent à perdre les pédales. Oh, le baptême du Saint-Esprit, c'est partout. Même les pentecôtistes, non. Je ne refuse pas. Mais quel genre de baptême du Saint-Esprit ils sont. Ya Rome takatifu ya ina gani ile beko nayo. Ils sont le baptême du Saint-Esprit comme la pluie. Beko na ubatizo Rome takatifu sans vula. Qui tombe sur les justes. Ile konyanyeshe pa baaki. Et sur les injustes. Na wasipo waaki. Et ce baptême du Saint-Esprit. Ile ubatizo ya Rome takatifu. Leur donne seulement des sensations. Iko na bapatia tu macheche muko. Et Branham m'ajoute. Na wakati Branham anaongeza. Branham m'ajoute. Duku Branham anaongeza. Tu peux avoir ce baptême du Saint-Esprit. Unaweza kuwa na ile ubatizo wa Roho Mtakatifu. Et aller en enfer. Na unaenda mugena. Mais le vrai. Kwa lakini ile ya biakweri. Baptême du Saint-Esprit. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ce n'est pas la sensation. Haiko machechemuko. Ce n'est pas les dons. Haiko vipaji. Mais le donateur. Kwa lakini mwenyeko naleta vipaji. C'est le réveil. Ni amko. Pas de la pluie, a pana ya mvula, mais la vapeur. Walakini ya mvuke. Or cette vapeur a la couleur blanche. Japo ile mvuke ikuna rangi mweupe. C'est la niwe. Ni wingo. Le septième jour. Siku ya saba. Au septième âge de l'église. Kizazi ya saba ya kanisa. À la fin. Kumwisho. Une vapeur, une niwe. Mvuke, wingo. Monte. Itapanda, itapanda. De la terre. Kutoka pa bulongo. Pour arroser les semences. Kwa ajili ya kumimia mambeko. Moi, je n'ai pas le Saint-Esprit de Pierre. Mie shina na Rome takatifu ya ba Petro. Je n'ai pas
pas le Saint-Esprit de Paul. J'ai le Saint-Esprit de William Branham. Parce que Wani. Le Saint-Esprit de Pierre et de Paul étaient liés. Rome takatifu ya Petro na Paulo pendant cet âge de l'église. Il fallait un libérateur. Et ce libérateur, c'est un homme. William Branham. William Branham. Quand il sonne la trompette, la panda, le Saint-Esprit est libéré. Et le Saint-Esprit, na là, avant que je le reçoive, il était d'abord dans Franck Branham. Si vous avez le Saint-Esprit de dénomination, attendez la tribulation. Et tu vas venir après. Tu seras à la cité des vierges folles. Tu feras les chants. Tu nous donneras les prémices. Tu n'habiteras pas avec nous. Parce que dans la nouvelle terre, la cité est divisée. Là où il y a les vierges folles, il y a la nuit. Il y a le jour. Mais là où il y a l'épouse, il n'y a pas la nuit. Pourquoi? L'agneau et la lune. Wana kondo eko nuru. Nous avons le Saint-Esprit du message. Même si des prédicateurs commencent à céder à la pression. On n'est pas sauvé seulement en le message de Frère Branham. Nous sommes sauvés dans le message de Frère Branham. Les choses à prêcher ont fini. Et comme ils doivent retourner à la dénomination pour parler les mêmes choses, parce que prêcher à l'épouse, il faut avoir la fontaine intarissable. Et comme c'est difficile de prêcher le message de l'épouse, ils sont rétrogradés parce qu'ils veulent parler comme tout le monde. Ils n'ont pas assez de matière pour nourrir le pouce. Ils doivent retourner si bas. Ils embrassent les pentecôtistes. Ils disent, nous sommes les mêmes. Moi, je ne suis pas les mêmes. Je ne suis pas pareil avec eux. J'écris à un homme, Daniel Muntu, William Marion, Marion Branham. Et c'est ça la vie éternelle. Parce que la formule de la vie éternelle, c'est croire Dieu. Ce n'est pas tout. Ajoutez à celui que Dieu vous a envoyé. C'est ça la vie éternelle. Il n'y a pas une autre formule. Et le dimanche, là, Branham nous a dit, si, comment Jean 3:16, Yohano tatu kuminasita, c'est la parole. Nineno, croyez aussi. Moi mini pia. Cette écriture qui parle de Pierre qui a la clé. Il a dit que on a semé à quoi dire à Petro ou le qu'on a fungu. Un homme qui a la clé du royaume des cieux. Là où forme un binguni. C'est aussi la parole. Na yo pia nineno. Si ici ce n'est pas la parole. L'autre là n'est pas la parole. Parce que dans l'histoire du salut, il y a Okovu. Branham égale à Jésus. Branham égale à Pamoya na Yesu. Si ça te blesse, ça te blesse. Kamena kumiza, ikumize. Mais c'est la vérité. Walakini ni ukweli. Par rapport à la mission, kulingana na kazi, ils sont égaux. Beko pamoya. Jésus, Yesu, Golgotha, Golgotha, Branham, Branham, Sunset Mountain. Jésus, Yesu, versait le sang. Alimwanga damu. Branham apportait le seau. Arileta miuri.
Tu refuses, c'est ton problème. Unakatala binakuangaria. C'est ça le message. Jo ujumbei. Et Dieu m'a suscité. Na Mungu arinisimamisha. Pour continuer à élever William Marion Branham. Kwa ajili ya kuendelesha kumupandisha William Marion Branham. Dieu savait. Mungu alijua que dans le message. Asema mujumbe. Un vent va venir. Pepo moja itakuya. Ou qui amènera les gens à renier. Il est appelé kabatu bakane. Et il a dit El Rash. Na alisema El Rash. Sois suscité. Weshi mama. Dans cette génération. Wiki kizazi. Pour continuer. Kwa ajili ya kuendelesha. À rappeler les gens. Kukumbusha bantu. La commission. Il est kazi. C'est quoi la commission? Il est kazi. La commission. Il est kazi. L'ange a dit à Branham. Malaika relese Branham. Si tu amènes les gens à croire Jésus. Kama napeleka batu bamini Yesu. Si tu amènes les gens à croire Paul. Kama napeleka batu bamini Paulo. Si tu amènes les gens à croire Pierre. Kama fikisha batu bamini Petro. Si tu amènes les gens à te croire. Rien akuna kintu ne va résister kita zimpa à ta prière. Bela maombi yako. Branham est élevé. Branham aina inyuliwa. Et toi tu vas les rabaisser, c'est ton problème. Na wana fia kumushusha ni mambo yako. Je n'abaisserai jamais Branham. Si ta mushusha kaka mwe Branham, je le leverai. Ta mwinyua paka. Et quand je le lève, na wakati mina mwinyua, quand je le lève, wakati na mwinyua, je sais, na jua, que dans un ciel, mumbingu, où Abraham était, mule mulikuwaka Ibrahim, où Paul était, mule mulikuwaka Paulo, où tous les saints étaient, mule batakatifu bote balikuwaka, Branham était élevé. Branham alinyuliwa. Et il a demandé, nariuliza, pourquoi, juu ya nini, vous m'élevez, muku na ninyua, on lui dit, bana mueleze, sur la terre, babudongo, tu es chef, uko chefu, sur la terre. Boudongo. Ah, regardez les pentecôtistes comme ils rêvent. Wangaliani bampentavile beko na lota. Sur la terre. Papulongo. Branham est chef. Branham ni chefu. Et il dit. Nana sema. Amen, je crois. Amina mina mini. Mais je vais voir Jésus. Kwa lakini mina penda ni mone Yesu. Où est Jésus? Yesu eko wapi? On lui dit tu vois comme tu y es élevé. Bana mweleza sema unaosha kuinyuliwa. Jésus lui. Yesu yeye. Il est beaucoup très sana zaidi. Quand je lève Branham. Wakati na inyua Branham. C'est à sa juste valeur. Mina mufikisha mukipimo yake. Jésus, Yesu, c'est le Dieu de Branham. Ni Mungu wa Branham. Et la manière de lever Jésus. Na namna moja ya kumupandisha aujourd'hui. Leo. Élève Branham. Ni mukumuinyua Branham. Jésus n'est pas jaloux. Yesu anana bwivu. Jésus, hein? Yesu, hein? N'est pas jaloux. Anana bwivu. Il sait. Anajua. Quand on élève Branham. Wakati wanainyua Branham. C'est lui Jésus qui est élevé. Yeye Yesu anainyuliwa. Comme Moïse. Paka savile Musa. Eleva les serpents de reins. Alikuwa na inyua nyoka wa shaba. De même le fils de l'homme. Vile vile ule mwana wa mutu. Sera élevé. Atainyuliwa. Dans le dernier jour. Mumasiku ya mwisho. Demande à ton ami. Umulize rafiki yako. Qu'est-ce qui a élevé les serpents de reins? C'était quoi? Ni kitu kani lipandisa nyoka wa shaba yulu. Ilikuwa ni nini? Le bâton. Ilikuwa ni gongong. Sans bâton, bila bakoni ile. Le serpent n'est pas élevé. Nyoka ata inyuliwa. Et le bâton c'est l'arbre. Na bakoni ile ni muti. Sachez tu es court. Ya zakayo uko mfupi. Sachez. Zakayo. Tu es court. Uko mfupi. Si tu veux voir Dieu. Kama unapenda muone Mungu. Monte sur l'arbre. Panda kumuchi. Sachez. We zakayo. Avec ta foi courte. Na kaimani yako kafupi. Prenez l'arbre. Panda kumuchi. Et l'arbre c'est frère Branham. Na muchi ni nduku Branham. L'arbre. Muti. Qui élève Jésus. Ileko na pandiza Yesu. C'est William Branham. Ni William Branham. Et frère Branham dit.
dit, Jésus a eu plus de succès dans mon ministère ici à Jeffersonville qui n'a pas eu dans tout son ministère. Alors, Sasa, qui est l'homme? Muntu ni nani? Je lis, messieurs, sur le signe de la fin. Mina soma yamani ni alama wakati ya mwisho. Occasion favorable ou non? Babati wala pana bahati. Je prêcherai Branham. Taubiri paka Branham. Mais pasteur Rach, toi tu ne prêches pas Jésus? Mchungaji Rash, wewe uhubiri yake Yesu? Non, j'adore Jésus. Hapana, mimi wangu na muabudu waka Yesu. Mais je ne le prêche pas. Kwa lakini shuhubiri yake Yesu. À chaque jour du sabbat, kuki la siku ya sabato. Dans les synagogues, synagogue, on lisait, soma, on prêchait, et Malachie 4 dit, souvenez-vous de Moïse, mon serviteur. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Élie aujourd'hui, chaque jour du culte, dans le tabernacle, elle rache Libranam, elle rache Ronasoma Branam, elle rache Prêche Branam, elle rache Ronaubiri Branam. Si tu refuses, Kamona Katala, fais ton monde, Fanya Dunia Yako, fais ton monde, Fanya Dunia Yako. J'adore Jésus. Niko na abudu Yesu. Et je prêche Branham. Na niko na ubiri Branham. Si ça te fait mal, tu peux pleurer. Kama binakuuma, ria bashi, ria, ria kabashi, ria. Tu peux pleurer, ça va t'aider. Ria bitakusaidia, ria bitakutuliza, ria. Messieurs, c'est le signe de la fin. Diamani etini alama ya wakati ya mwisho. Paragraphe 117. Kifungu yake ya 117. Voici le mystère. Tazameni le siri. Un mystère dans l'écriture. Siri ndani andiko. C'est une vérité. Ni ukweli. Qui a été préalablement caché. Ile kwanza barifuchikaka. Qui est maintenant révélé divinement. Apa sasa banaifunua kupitia njia ya umungu. Mais kwa lakini à laquelle kuile reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Kuna bakia tu kwenye kulamata kipengele ya kiroho aizuru ufunuo. Vous avez dit amen à ça? On a sema mina kuile. C'est ça un mystère, hein? Il est Njo Siri. Un mystère dans l'écriture. Siri ndani yandiko. Ce n'est pas un mensonge. Aiko bongo. Parce qu'il y a des gens qui disent que les mystères, ce sont des faussetés. Njukubo wale wana sema ma siri ni bitu ya bongo. Ils ont des problèmes avec Frère Branham. Weko na matatizo na ndugu Branham. Branham dit un mystère. Branham na sema siri. C'est d'abord une vérité. Kwanza ni ukweli. Mais une vérité préalablement cachée. Lakini ukweli ile barianziaka po kufa nini kufuchika. Qui est maintenant révélé divinement. Ile sasa apa sasa banaifunua kupitia Mungu. La révélation est divine. Ufunuo ni ya kutokea kwa Mungu. Mais à laquelle? Kwa lakini kuile ufunuo reste toujours attaché élément surnaturel malgré la révélation. Kuna bakia braka kipengele kamoja kakiro aizuru vile baisha ifunua. Alors moi j'aimerais que asamiena tamani Dieu te fasse grâce. Mungu akunemi de manière que tu sois à mesure de croire même à l'élément surnaturel. Munamna kusema ukwe na uwezo ya kuamini ata kuile kipengele ya kiroho.
Est-ce que tu es capable d'avaler même l'élément surnaturel? Et tu kuna uwezo ya kumeza hata le kipengele ya kiro? Je vais lire quelque chose dans Dieu dévoilé. Tasoma kitu moja mu Mungu anadifunua. Dans Dieu dévoilé, mu Mungu anadifunua. Frère Branham dit. Nduba nama nasema. Il dit il y a certaines choses, paragraphe 22. Asema kuko bintu bingine kifungua kia 22. Maintenant. Sasa. Mon sujet de ce matin. Kishina yangu ya asubuhi ya leo. Je mets confiance en Dieu. Natumaini ya Mungu. Qu'il révélera ce qu'il en est. Ya kwamba atafunua mambo yenyewe. Chaque fois. Kila mara. Si vous qui prenez les bandes les écoutez. Kama mwe bale munabebaka mautepe na munaisikia. J'espère. Na tumaini. Et je veux croire. Na mitaamini. Que. Ya kwamba. Vous avez reçu une compréhension spirituelle. Mulipokea usikilivu ya kiro. De ce que Dieu a essayé de montrer à l'église. Ya ile Mungu alijaribu. Kuonesha kanisa. Sans le dire ouvertement. Bila kuisema waji waji. Vous voyez? Munaona? C'est quelque chose. Ni kitu moja. Parfois. Wakati ngine. On doit dire des choses. Tunapashwa kusema bintu. Bintu. Les choses. On doit dire les choses. Tu n'as pas choix kusema bintu. De manière à disperser. Munamna ya kuzambarisha. De manière à amener certains à s'en aller. Munamna kupeleka bengine bakimbie bende. Certains à partir. Bengine batoke bende. Et certains à réfléchir. Na bengine banje kuwaza waza. Branham dit mais. Branham asema kwa lakini. C'est fait express. Inafanizikwa kumakusudi. Il faut que ce soit fait comme ça. Inapashe fanizike paka kumakusudi. Mon cher. Rafkiang, je suis en train de lire la citation. Niko nasoma andiko. Parce que quelqu'un pourra penser que j'ai dit mes pensées. Njumu tonaweza kuwazia sema mimi nasema mawazo yangu. Ah, c'est aussi là-bas. Ah, iko tena na kule. Hein? C'est la même chose. Tu as kitu moja moja. Les choses que nous donnons. Bintu ibi tukuna leta. C'est pour disperser. Ni kwa ajili ya kuzambarisha. C'est pour amener certains à partir. Ni kwa ajili ya kupeleka bengine batoke bende. Amener certains à réfléchir. Bengine bafikiri. Est-ce que c'est toujours la vérité? Et ibi ni paka bia kweri. Branham dit je l'ai fait expressément. Branham asema mimi na bifanya kumakusudi. Et il faut que ça soit fait comme ça. Na inapasha ifanizike paka hivi. Parce que c'est le temps de triage. Njuni wakati wa kunyungulula. Le septième saut. Muri wa saba. N'a pas besoin des avortons. Aina lazima ya tukabishi. N'a pas besoin de poule mouillée. Aina lazima bankuku bakulobana. Mais vous voyez. Unaona. Il exagère. Ana pitisha mona yeye. Il exagère. Ana pitisha mona. Il a mal placé. Ana tia mubaya. Ça te fait mal, tu pars. C'est la citation. Binakuma unatoko nenda niandiko. Oh, pasteur, mais les gens, oh, les gens sont partis. Oui. C'est la citation. Niandiko. Je n'ai pas pitié.
pitié d'eux. Shibashikirie buluma. Parce qu'il a fui la parole. Ndu anakimbi aneno. J'aurais pitié de quelqu'un qui est tombé avec les femmes. Tashikiria buluma ule arianguka na banamuke. Il est tombé dans la boisson. Ananguka mumpombe. Il n'a plus la force de venir à l'église. Anatena na nguvu ya kuwa kukanisa. Je vais le suivre jusqu'à finir les talons de mon soulier. Tamufuata fuata paka na pale kilato yangu itenda mpenga. Je vous donne ma position. Na konesha vile mine kalaka. Mais quelqu'un qui part parce que la parole ne l'a pas plu. Kwa lakini muntu la nenda kwani neno haikumufurahishe. Je n'ai pas l'habitude de suivre les gens comme Shikalake ça. Sikalake na kisela kufuata bantu ba vile. Pasteur, kwani suivez-le quand même. Mufuate kopaka. Non. Bana. Les choses dures sont données expressément pour les élus. Bintu byanguvu banabileta kumakusudi kwa ajili ya bateule. Je ne torlote pas les incrédules. Shibembeleshe bashipo kuamini. Jésus a tourné. Yes, il dit, mais vous autres, pourquoi vous ne partez pas aussi? Dieu a nini na mwe ya mwende. Nous on pensait que il va juste distribuer les pains. Atagawanya tu mikate. Juste les poissons. Na samaki tu. On l'a vu un bon pasteur. Tu yona mchungaji mwema. Avec l'expérience qu'il a, na mazoezo ile konayo, il pouvait nous aider. Aliweza kutusaidia. Mais voilà là, il commence à dire. Sasa angalia hapa anaanza kusema. Il faut manger la chair. Inapasha kulia mwili. Il faut boire le sang. Inapasha kunywa damu. Moi je parle là-bas, on adore bien. Minenda kule beko na budu muzuri. Même s'il n'y a pas la parole. Ataka makuna neno. Je parle. Luangu minenda paka. Moi je parle là-bas. Pana mie minenda kule. Le pasteur distribue le transport à la fin du culte. Kumwisho ibada mchungaji anakaburiaka bantu transporting. Non, moi je parle là-bas. Hapana mie minenda kule. Le pasteur. Mchungaji. Nous visite toute la semaine. Anatutembeleaka wiki mzima. Partez. Twende. Et vous les autres. Na mwe bengine muna bakia. Pierre dit. Petro anasema. Il dit. Anasema. Maître. Mwalimu. Aki. Kwa nani. Irions-nous encore. Mwingine ule tutaenda. Frère Branham explique. Branham anafasilia. Il dit Pierre a dit à Jésus. Asima Petro aleleze a Yesu. Avant de t'écouter. Mbela kukushikia. On a écouté tel. Turimushikia fulani. On a écouté tel. Turimushikia fulani. On a écouté tel. Turimushikia na fulani. On est allé écouter tel. Turienda kusikia fulani. On est allé écouter tel. Turienda kusikia fulani. Un enseignant. Mwalimu. À ton calibre. Wa kipimo yako. Il y a pas. Aikala keko. Il y a pas. Anako. Alors nous là, même les choses qui nous font mal là, ataibi bintu ibi biku na tuuma ibi, on est là. Tuko hapo paka. Même si parfois, atama wakati ingine, tes réactions, matendo yako, ça peut nous blesser, inaweza kutuumiza, mais, walakini, cet enseignement, imafundisho, nous n'allons jamais quitter, atutayacha kamwe. Un élu vient à l'église pour la parole. Muteula na kuyaka kukanisa kwa ajili ya neno. Quand il ne partira pas, hein? Where utaenda, hein? Je reste avec William Branham. On a baki na William Branham. Ah, Branham dit c'est fait express. Ah, Branham asema inafanizika kumakusudi. Je ne changerai pas. Shitabadirika. Quand tu veux que moi j'échoue. Wona penda mini shindwe.
Pasteur Richard a fait son travail. Mchungaji Richard alifanya kipande yake ya kazi. Dieu l'a payé. Mungu alimulipa kwa ile kazi. Mon serviteur. Aza mtumishi wangu. Viens te reposer. Kuya sasa upumujike unaisha kazi. Il a bien fait sa tâche. Alifanya mzuri sana kazi yake. Pasteur Gedeon est venu. Mchungaji Gedeon alikuya. Dieu lui dit toi tu n'as que 6 mois. Mungu anamueleza wewe utatumika miezi 6 tu bule. Voilà ce que tu vas donner. Angalia mafundisho utaleta mwile miezi. Et c'est fini. Na kunaisha, Dieu l'a pris. Mungu anamchukua. Il a très bien fait son travail. Alifanya na yeye mzuri kabisa kazi yake. Maintenant, Dieu m'envoie il dit Elrash. Sasa Mungu ananituma mimi anasema Elrash. Toi là, wewe huyu, c'est les choses. Ni bintu. Et je ne peux pas compromettre. Na shita chipisha. Je donnerai les choses. Chaque jour tu viendras dans cette église, tu écouteras les choses. Taleta paka bintu. Kila siku utakuwa mwikanisa utashikia paka bintu. Ah lui seulement des mystères, ah, oui. Yeah, ni paka masiri. Ndio. Les choses. Bintu. Qui est l'homme? Muntu ni nani? Continuons, rentrons dans Monsieur Celestin. Tuendele, tururie mujamani wakati wa alama ya mwisho. Hein? Mystère c'est ça? Siri njo ile. C'est donné expressément. Inaleta kumakusudi. Pour que les incrédules s'en aillent. Ili bale bashipo kuamini batoke bende. Il commence à citer un nombre de mystères. Ananza kutaya masiri. Il cite les mystères du royaume des cieux. Ata siri ya ufalme wa mbinguni. Ça on a vu même dimanche passé. Ile tulionaka ta Jumapili iliyopita. La clé. Ile fungulo. Si tu veux le royaume, cherche Pierre. Kama unapenda ufalme, wendo kamutafute Petro. Les histoires de la mort cherche Jésus. Kama mabitu ya lufu wendo katafute Yesu. Ouais. Ndio. Si tu veux mourir aujourd'hui, kama leo unapenda ukufwe, cherche Jésus. Wendo katafute Yesu. Il a les clés de la mort. Yeko na mfungulo ya lufu. Si tu as aussi peur de la mort, kama tena na wewe una boka ya lufu, cherche Jésus. Umutafute Yesu. Il dit tu ne mourras pas si lui n'a pas ouvert. Anasema kufu au takufua kama shiafungula. Mais Branham nous a dit les clés du royaume Jésus n'en avait pas. Lakini Branham atuezasema mafungulo ya ufalme Yesu akukuaka nayo. Ça il a donné à Pierre. Ile mafungulo alipatiaka yo Petro. Et Pierre là ce n'est pas Simon. Na ule Petro beko nasema hapa. Aina Simon. Les jours de Pentecôte, il a ouvert en symbole le baptême au nom de Jésus. Siku ya Pentecôte mwalama alifungula ubatizo mujina la Yesu. Mais la vraie chose venait encore. Lakini kile kintu kya byakweli kilikuwa munjia kikunakuya. Parce que la clé à pasteur tu as bien dit cet endroit là. Mchungaji uliona mzuri kabisa ifashi. Kama my brother. Kuya ndugu yangu, kuya mchungaji. It was wonderful. Amen. Ukwa mastajabu kabisa. The mystery of the key. Masiri ya mfalme. God bless you. Eh Mungu akubariki. La même clé. Ile fungulo moja moja. Qui a bloqué la vie en Eden. Yenye ilifungaka maisha mwedeni. On a déjà parlé de ça ici. Tulisha zungumzia le mambo ya fungulo ile hapa. Dieu ravit les anges. Mungu ananyanganya ba malaika. Il dit l'histoire du salut ne vous concerne pas. Asema mambo ya wokovu aimiangalie mwe ba malaika. Il appelle Branham, il est au Sabino Canyon. Alikuwa kusubinyo canyon. Il lui donne la clé. Anampatia ile fungulo. Le P. Yule mpanga. Et j'aime les commentaires de frère Branham par rapport à l'épée. Il dit cela s'est adapté. Mina penda mafasirio ya ndugu Branham kulingana na mpanga. Nasema ile mpanga ilienea kabisa mu mkono yangu. C'est comme si en fabriquant on a pris sa mesure. Ikusa mkuitunga balienda kupima mbele bunene ya mkono wa Branham ndio aenda kutunga sasa ile mpanga hii. Il est le seul qui devait tenir cette épée. Ye ndio ule mmoja ule alipasha kushika ile mpanga ile. Tu sais quoi?
Celui qui a l'épée du roi, il est roi à cette minute-là. Vous connaissez l'histoire de Livingstone? La seule manière qu'il soit accepté des indigènes, il fallait qu'il montre l'épée du roi. On ne l'a pas tué. C'est Thomas l'épée de notre roi. Donc ça, c'est la présence du roi. Quand Branham a l'épée, il est la présence du roi. Wakati Branham eko na mpanga, eko uwepo wa hule mfalme. N'ayez pas peur. Mushishikie boka. C'est la vérité. Ni ukweli. Regardez. Tazameni. La reine Esther. Malkia Esther. Elle décide. Anachukua mpango et montrer sa couleur. Ya kuonesha kile eko. La rédemption par le mariage. Ukombozi kupitia ndoa. Par son mariage, il a sauvé sa race. Kupitia ndoa yake aliokoa uko yake. Le jour où il décide, elle décide. Siku ile alichukua mpango. Le roi est dans la chambre intérieure. Mfalme ko mchumba ya ndani. Il est écrit. Imeandikiwa. Celui qui rentre dans la chambre du roi en cette période sans qu'il soit pele ule ataingia mchumba ya ule mfalme mwi wakati bila aitwe na mfalme sera tué batamuua. Mais la reine n'a pas le choix. Kwa lakini malkia akukwenda kia kufanya kingine. Parce que sa race va être exterminée. Kwani balitia kuteketeza uko yake. Elle a décidé. Alichukua mpango. Elle est rentrée. Akaingia ndani. Là dans cette pièce. Mule ndani ya ile chumba. Dans cette constellation. Mule mungano ya manyota. Où le roi était assis. Mule mfalme alikuwa mwenye kuketi. Et dès qu'il arrive. Na wakati anaingia ndani. Un garde, Mulinzi, il soulève son épée, anatosha mpanga yake, sa lance, ile mshale yake. Il veut tuer la reine parce qu'on dit qui que ce soit tué. Anapenda kuua malkia kwani ilimesemwa ipate kuwa nani tué. Ua tu. Le roi remarque que mfalme anatazama, mais c'est Esther. Uyu si ni Esther. Alors le roi rapide, il prend son épée. Il dit reine Esther. Prenez l'épée. Mpanga. Et la reine a pris l'épée. Mpanga. Et le garde na mulinzi était stupéfait. Ali shanga. Parce que une loi kwani kulikuwa sheria était écrit. Iliandikwa. Celui qui a l'épée du roi. Uleko na mpanga ya mfalme. En ce moment-là, il est roi. Mwile wakati ile eko mfalme. Et quand le roi donne l'épée. Na wakati mfalme anampatia mpanga. Il dit Esther. Anasema Esther. J'accepte la division du royaume. Mina kubali hata kulikabula ufalme. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait. Dans cette nuée où était Jésus, Frère Branham est entré. Dogo Branham aringia. L'épée du roi. Yule mpanga ya ule mfalme. C'est le troisième pile. Ni mvuto ya tatu. Laisse-moi finir ma lecture ici. Acha kwanza ni malize na usomi yangu hapa. Il cite des mystères et au septième mystère il dit ceci. Apa kusiri ya saba anasema hivi. Le septième mystère. Il est siri ya saba. C'est celui du Christ vivant. Ni ile ya Christo mujima. Oh, plutôt, c'est celui de Dieu. Apana, ni ile ya Mungu. Soit. Ah oh. De Christ. Ya Christo. En tant que plénitude incarnée de la divinité. Sa vile utele iliyodingiza mumwili ya bumungu. En qui toute la sagesse divine. Ndani ya ule muko ekima yote ya mungu. Et la divinité. Na bumungu. Sont restaurés dans l'homme. Yote binarudishwa ndani ya muntu. Alors qui est l'homme? Sasa muntu ni nani? Parce que le septième mystère, c'est le mystère de Dieu. Ni siri ya Mungu. Christ. Christo.
pas portion. Mais attends que plénitude de la divinité incarnée. Kwalakini utele ya bumungu yenye kuingia mumwili. En qui toute la sagesse divine, pas une partie. Mule ekima yote ya mungu apana sehemu. Et la divinité na bumungu sont restaurés dans l'homme. Yote banabirudisha ndani ya muntu. Donc on parle ici de l'homme. Kwalakini apa wanaseme ya muntu. Qui reçoit la restauration. Ule anapokea kurudishwa. La restauration de quoi? Kumurudishia nini? La plénitude de la divinité incarnée. Utele ya bumungu yenye kuingiza mumwili. Et l'homme alors? Basi muntu ni nani? S'il doit recevoir la restauration. Kama anapashwa kupokea kurudishwa. De la plénitude de la divinité incarnée. Ya utele ya bumungu mwenye kuzingiza mumwili. Vous savez frère? Unajua ndugu? Frère Branham comme chrétien. Ndugu Branham savile mu Kristo. A eu une portion du Saint-Esprit comme tous les autres. Alipata sehemu ya Roho Mtakatifu paka saba Kristo bote. Et c'est ce qui embrouille les prédicateurs. Na ni ile iko na vurushwa wa ubiri. Quand ils lisent ça, Frère Branham dit moi aussi j'ai une portion. Wakati wanasoma pale ndugu anasema na mimi niko na sehemu ya Roho Mtakatifu. Ils veulent amener Luc 17:30 dans ça. Banapenda kubeba Luka 17:30 kuingiza mwii. Branham avait sa portion de l'esprit comme tout chrétien sauvé né de nouveau. Na sehemu yake ya roho kama kila mkristo mwenye kukolewa na mwenye kuzaliwa mara ya pili. Dieu dans la forêt. Paka sam pagano ule kutanishana na Mungu mpori. Il lui a écrit une lettre. Aliandika barua. Il dit cher monsieur Dieu. Jamani bwana Mungu. Je ne sais pas comment on t'aborde. Sijue vile banazungumzaka na wewe. Mais je te poste la lettre sur cet arbre. Na kuachia barua pa hii muti. Je sais que tu vas passer par là. Najua usema utaka kupitia pa inji hapa. J'ai besoin de toi. Miko na lazima yako. Et une bonne manière de poster une lettre à Dieu c'est de le mettre à un arbre. Na namna mzuri ya kumpelekea Mungu barua ni kwenda kuipeleka kumuti. Parce que à l'arbre, il devait passer par ici. Aripasha kupitia loa pale. Amen. Amina. Et Dieu l'a exaucé. Na Mungu arimujibu. Il a accepté la parole. Alikubali neno. Il a été baptisé. Alibatiziwa. Chez Roy Davis. Kwa Roy Davis. Il a dit pasteur baptise-moi au nom de Jésus. Asema mchungaji unibatize mujina la Yesu Kristo. Et Dieu lui a donné. Na Mungu alimpatia. Une portion du Saint-Esprit. Ile sehemu ya Roho Mtakatifu. Comme il peut donner à tout chrétien. Paka vile anaweza kupatia kila mkristo. Ce n'est pas ça Luc 17:30. Ile aiko Luka 17:30. Luc 17. Luka 17:30. C'est la promesse de la plénitude. Ni malako ya utele. La même plénitude qui était en Jésus. Utele moja moja alikuwaka ndani ya Yesu. Oh, je vais attendre un amen. Sema amina. La même plénitude qui était en Jésus. Il est utele moja moja likuwaka ndani ya Yesu. Dieu dit Branham sort, donne-moi le corps. Mungu anasema Branham tokea amo unyachie mwili. C'est ça la plénitude. Njo utele ile. Et Branham est sorti, on va arriver à ça. Na Branham katoka amo. Tutafikia hako. Branham est sorti. Branham alitoka amo. Théophanie piouf. Théophanie a piouf. Il laisse à Dieu le corps. Anachia Mungu mwili. Plénitude. Pouf. Utele ndan. Plein, plein, plein. Tele, tele, tele. Et c'est ça la promesse du pardon des péchés. Na injo malako ya usama ya madhambi. La véritable expiation. Maondoleo ya zambi ya biakweri. Or que la sagesse c'est Dieu. Ijapo ekima ni Mungu. C'est vrai. Ni kweli. C'est pourquoi Eliou le jeune homme. Ni kwa maana Eliou ule kijana. Qui est venu de l'Orient. Ula alitoka ku asubuhi.
Branham dit qu'il était le prince de l'Orient. Branham a dit qu'il était le prince de l'Orient. Elihu. Elihu. Son nom c'est comme Elohim. Jina ite kusa Elohim. Un jeune homme. Kijana. Il est venu de l'Orient. Alitoka kumashariki. Il a trouvé les trois amis. Alikutanisha warafiki watatu. Il a trouvé Luther. Alikutanisha Luther. Il a trouvé Wesley. Wesla. Il a trouvé la Pentecôte. Alikutanisha Pentecosta. L'esprit des trois grenouilles. Biula tatu. Qui ne font que regarder en arrière. Biula bile bina ngariaka tu kumukongo. Et ces trois amis n'ont pas aidé Job à se relever de la poussière. Na bale barafiki tatu abakumusaidia Yobo alamuke kutoka mavumbi. L'épouse est restée dans la poussière quand Luther parlait. Bibiarusi aribakia mavumbi sa yote ile Luther alikuwa anasema. L'épouse est restée quand Wesley parlait sur la terre. Bibiarusi aribakia mavumbi wakati yote Wesley alikuwa anasema. Même quand les dons sont venus, l'épouse est restée sur la terre. Bibiarusi aribakia paka mavumbi. Job ne faisait que se gratter. Yobo alikuwa tu naipalula. Et la poussière tombait. Na mavumbi alikuwa anguka. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Ce sont des prédications qui gardera l'église à regarder en arrière. C'est l'esprit des trois grenouilles sortis de l'abîme. Abraham dit la grenouille ne fait que regarder en arrière. Abraham a dit kiula kinatazama paka kumukongo. Même quand il saute. Ata wakati kikuna luka. Les nostalgiques. Bale bakupenda kurudia kubia zamani. Le ministère a changé. Utuma irisha badirika. Nous sommes dans les nouveaux sacerdoces. Apa tuko mukikoani kipia. Qu'est-ce que vous allez chercher au mur de lamentation? Kule kukuta maombolezo munenda kutafuta konini? La gloire n'est plus là-bas. Utukufu haiko tena kule. Dieu a avancé. Mungu alisha songa mbele. Tu es distrait. Wosha lengama. Mais quand Elihu est venu, kwa lakini wakati Elihu alikuya, il dit je ne vais pas les arrêter. Anasema sitabashimamisha pana. J'écoute d'abord leur message. Nishikie kwanza ujumbe yabo. Il les a écoutés. Anabashikia. Il dit niveau terre à terre. Asema kipimo kia chini sana zaidi. Terre à terre. Bia chini chini. Job est toujours dans la poussière. Yobo eko paka mu mavumbi. Mais quand Elihu commence à parler. Kwa lakini wakati Elihu alianza kusema. Il va à l'éternité. Anaenda kumilele. Saint terrain. Funga kifua yako. Saint terrain. Funga kifua yako. Je vais t'interroger. Takuswali. Et tu vas me répondre. Na utanijibu. Parce que tu te vois sage. Kwani unariona mwenye ekima. Branham dit. Branham anasema. Elihu conjugue à la place de Dieu. Elihu ananza kusema mwenye kuditia pafuashi ya Mungu. Où étais-tu? Ulikuwaka wapi? Where were you? Ulikuwaka wapi? Quand je posais les fondements. Wakati nilikuwa natia misingi. De la terre. Ya budongo. Quand j'ai mis la pierre angulaire. Wakati nilitiwa ile jibwe ya pembe. Et que les étoiles du matin. Na manyota ya asubuhi. Ilikuwa napika mikono. Ilikuwa nalalamika haleluya, nalalamika haleluya, amina, amina, amina. Où étais-tu? Ulikuwaka wapi? Ce message là, il est ujumbe ile de l'éternité. Ya kutoka ku umilele. Frère, nduku, la loi de l'identification. Sheria ya kitambulisho fait que tu deviens ce qu'on t'appelle. Inafanya kwamba ukuna kuya kile beko na kuita. Vous voyez pourquoi j'aime pas traîner sur les péchés, parce que vous allez les devenir. Munaona njua ni spenda ukauya pa mambo ya nzambi. Njoo mtakuya nzambi. Je connais ça par expérience. Mina jua imambo kwa mazoezo.
Vous ne faites que parler du péché. Tu seras déçu. Au lieu que les gens se sanctifient, ils deviendront des grands pécheurs. Et il y a des pasteurs qui ferment l'église comme ça en colère. Il dit alors, allez arranger vos vies. Ya batu baendele batakwa ba ovu kabisa. Kuba chungaji bengine ba vile banafunga kanisa hata wiki mzima. Mwende mbe mkatengeneshe maisha yenu. Je peux parler du péché. Na waza kusemea mambo ya dhambi. Quand le Saint-Esprit me conduit. Wakati le Roho Mtakatifu ananiongoza. Mais je ne fais pas tout mon temps là. Lakini sitacheleweya paka pale. Parce que la loi de l'identification m'observe. Ndio sheria ya kitambulisho iko na nichunguza. L'homme devient ce que vous l'appelez. Muntu anakuyaka kile uko na mwita. Vous. Vous êtes des menteurs. Moi, mon balanganifu, en enfer. Mutenda mukena, mura fata babi, bana muke. Papa pasteur, baba mchungaji. Je t'assure. Na kuhakikisha. C'est ça l'identité que tu donnes à ton église. Donc kitambulisho ile unapatia kanisa yako. Mais quand je viens là, wakati mimi nakuja hapa. À l'éternité vous étiez Dieu. Kumilele mlikuwaka Mungu. Dans la pensée éternelle, vous étiez la parole. La parole faite chair vous amène à la perfection. Quand tu dis amen là, tu le deviens. Papa, Baba. Rentrons demander au prophète Daniel. Tururie tumulize nabi Danieli. Pour sanctifier l'église. Kwa ajili ya kutakasa kanisa. Dieu a dit quoi à Daniel? Mungu alisema nini kwa Danieli? Il dit Daniel. Asema Danieli. Va dormir. Wende lwako kalale. Mais en ce jour là. Lakini mwile siku ile. Tu seras debout. Utakuwa buima. Ceux qui écouteront. Bale batashikia. Les choses. Ibibintu. La connaissance fera quoi? Ujuzi tafanya nini? Augmente. Itongezeka. Et ceux qui écouteront. Na bale batashikia. Seront blanches. Batakuwa beupe. Et puis. Batatakaswa. Purifié. Batatakasishwa. Qui peut dire alléluia? Sema alléluia. Les choses. Bintu. Que vous écoutez, shikia, ça éloigne les désirs de péché. Peleka niya dhambi mbali. Ça vous purifie mystérieusement. Munamne akisiri. Les jours un enfant à la maison vole 1000 francs. Pour aller manger les beignets avec les amis à l'école. Siku ile mtoto nyumbani anakuiba 1000 njoo kwenda kula bitumbula na barafiki yake kumasomo. Commencez seulement à l'appeler voleur. Wewe anza tu kuita ule mtoto asiku kamwinji. Tu feras ça. Utafanya hivi. Toi voleur, venez ici. Kaweka mwinji kuya hapa. Kaweka mwinji kuya hapa. Tu lui as déjà identifié. Urisha mutambulisha. Mais appelle-le. Lakini umuite. Tu lui dis, fiston. Na mleza, mtoto. Tout ce que moi j'ai t'appartient. Unaona imari yangu yote. Ni yako. Tu as seulement mal fait de prendre sans me demander. Mbaya, unabeba bila kuniomba. Tu avais volé 1000 francs. Hein? Ulibeba 1000 francs. Prends 10 000. Beba 10 000 yoi. Prochainement. Turi ingine. Ne prenez plus comme ça. Ushibebe vile. Si tu as un besoin. Kama una lazima, kuyo niombe tu, nitakupatia. Tu en auras. Cet enfant ne va plus voler. Ule mtoto, ata ibaka tena. Tu l'as enseigné. Unamufundisha. L'église, vous irez en enfer. Mwe kanisa mutenda mukena mwe. Ka. Kaka. Donc toi, tu es là pour amener les gens en enfer. Moi, je prêcherai jamais comme ça. Moi, je viens, je te dis fellowship. Fellowship. Où étais-tu à l'éternité? Quand la pierre angulaire était posée. Tu es Dieu. Uko Mungu. Tu es à son image. Uko kwa picha yake. Être à l'image de Dieu signifie. Kuwa kwa picha ya Mungu maana yake. Être un autre Dieu. Kuwa Mungu mwingine. Et ça va commencer à te travailler. Na ile tanja kukutumika. Lorsque tu veux faire quelque chose de mal. Wakati unafanya kitu kibaya. Tu veux le faire. Unafikia kufanya kitu kibaya.
Amen. Dieu. Mungu. Moi, la parole. Et la clé du nouveau sacerdoce, Frère Branham dit, n'est pas se conformer, mais être transformé. Na fungulo akikwani kipya ndipo amasema usijifananishe kwa lakini badirika. Soyez transformés par le renouvellement de l'entendement. Badirika mukuisha usikilivu yako mupia. Au lieu de se conformer. Pali ya kudilinganisha. Par imitation. Mukuigia, mukufuatirisha. Tu vas abandonner ça quelque part. Fashi moya utaitula ile kufuatirisha ile. Qui peut dire amen très fort? C'est ma amina nguvu zaidi. Un amen qui fait mal au diable. Amina ile kuna muuma shetani. Papa. Baba. Le message de Liu tellement succulent qu'il était. Ujumbe ya Eliu vile ilikuwa butamu sana. Écoutez comment il avait commencé. Shikia vile Eliu alianja. Job 32. Yobo 32. Verset 5. Mstari yake ya 5. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes. Kwa lakini alipoona kwamba hakukuwa tena jibu mukinywa ya wale watu watatu. Eliu s'enflamma de colère. Eliu akajaza na kisilani. Parce que ils avaient aussi problème avec un homme kwani balikuwa na mambo ule na mtu ule alikuwa na ujuzi tele. Job. Yobo. Mais c'est un croyant enfermé. Ni mwamini mwenye kukamilika ule. Vous pouvez essayer avec les mots enfermés. Unaweza kujaribu na bale abaya kamilika. Et les bouger un peu. Na unabatenkesha. Mais quelqu'un. Lakini ule qui est assis. Alisha ikala. Parfois on regarde même les visages, on dit ah non pas celui-là. Wakati ngino na ngalata na kunsula sima ah ule yapana. Job. Yobo. Dans sa pauvreté. Bumashikini yake mule. Avec les gales partout là les firanques. Na bupele fashiote na bipote. Ah, il, sait, il ne sait pas laisser faire. Akudi achili yapana. La parole. Neno. Vous allez la remplacer à quoi? À la santé? Utai badrisha nani nafya? À l'argent? Utai badrisha na pesa? Au travail? Na kazi? À quoi? Nani utai badrisha? Job assis. Yobo mwenye kuikala kabisa. On essaie de le baloter. Bana pima kumupempesha. Eliphaz a pas dit. Ah Eliphaz, tais-toi. Ah oui, ka kimia. Eliphaz. Eliphaz. Ce que tu as dit là. Mambo na sema hii. Regarde. Angari. Eliphaz n'a plus de réponse. Eliphaz kinywa kinafu. Il t'a comment? Regarde un peu. Angalia, sangine, ngalia. Tu es sous la malédiction. Na lana, ngalia. Ta foi n'est pas bien. Sangine imani yako ina mara. Dia tais-toi. Ah ka kimia we. Il ramasse build. Ana la mouche. Tous les trois. Bote batatu. Job les a fermé la bouche. Yobo aribafunga binywa. Enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu. Et personne ne se moque de ton manquement. Hata mtu moja ashichekelee ukosefu yako. Pour essayer de balancer ta foi. Njua kujaribu kupempesha imani yako. A ta situation. Njua vile unakosa unanamari. Ne permettez pas. Usirusu ile. D'ailleurs claque la porte partez. Kwanza toka ako acha na wende. Qu'est-ce que vous allez remplacer avec la vie éternelle? Nini ile utabadirisha na uzima. Ya milele. Job les a fermé la bouche. Yobo alibafunga binywa. Eliu regarde. Eliu anatazama. Il dit ah. Zama, kaka. Quelqu'un en problème. Vous ne savez même pas les consoler. Muntu eko mumambo. Amujua hata kumufariji. Il vous ferme même la bouche. Eko na mifungishwa na binywa. Vous n'avez même plus de réponse. Amuna tana jibu. Job n'était pas en train de rire. Yobo akwe pale kuna keneka. Frère. Ah, ndogo. Eh.
Quelqu'un qui insulte les gloires, toi tu ris. Et qu'on a chamboula ou tukufu, ou qu'on a keneka. Kaka. Le message, c'est le caractère. Ujumbe ni tabia. C'est le caractère. Ni tabia. Oh, mais toi, il y a un message. Eh, si nous ujumbe, on joue à Yuan. Tu écoutes na wapi? Turukutanishanaka wapi? Totanga ensemble te. Atukufundage pamoya. Oza no kote. Auna moyombangu. Oza tata mwa site. Auna shangaji yangu. Na primaire pete oza laka ba camarade te toyeba na pete. Kumasomo ya chini atukwakata ba rafiki mbe atukwakata. Tovanda pe quartier mo kote. Atukikala ta mu company moya na weye. Ce qui nous a fait connaître, c'est le message. Il est inafanya kwamba tuyuane leo ni ujumbe. Tu aimes le message? Unapenda ujumbe? Je t'aime. Mina kupenda. Tu n'aimes pas le message? Aupende ujumbe? Je ne t'aime pas. Shikupende. Et le message est représenté par un homme frère. Na ujumbe. Inawakilishwa na muntu. Tu n'aimes pas Branham? Au mupende Branham? Je ne t'aime pas. Na mie shikupende. On peut avoir d'autres relations. Tunaweza kuwa na misiano zingine. On va traiter ça. Ah, tutaifanya ile misiano ile. Tu n'aimes pas mon Branham? Au pende Branham wangu? Je t'aime pas. Shikupende. Et dans l'église Branham est représenté. Na mukanisa Branham banamuwakilishwa. Mon pasteur. Muchungaji wangu. Tu ne l'aimes pas? Au mupende. Je ne t'aime pas. Na mie shikupende. La parole est claire. Neno iko waji. Traitons autre chose. Tumike bingine. Qui nous relie. Bile binatuunga. Quand ça arrive au spirituel, tais-toi. Kwa mambo kama inafika kwa mambo ya kiroho, wewe funga kinywa. Tais-toi. Funga kinywa. Parce que quand tu parleras mal de mon Branham, tu parles au tasema bibaya bia Branham wangu. Je ne veux pas te supporter. Sita kuvumilia hata kiloko. Parle mal de mon LH. Sema bibaya bia LH wangu. Je ne veux pas te supporter. Sita kuvumilia hata kiloko. Ah, je l'ai dit. Hein, mina bitobola, mina bisema waji. Je l'ai dit. Na bitobola. Le Saint-Esprit m'a placé surveillant de cette église. Rome takatifu alinitia hapa mwangalizi wa ikanisa. La seule manière que je te communique la vie. Namna moja mie kukupatia uzima. C'est que toi tu puisses m'aimer. Ni pale weye utanipenda. Maintenant quand quelqu'un commence à te diminuer. Kama mtu anaanza kukushusha. Mapendo mbele yangu. Il te fait très mal. Anakutendea bibaya. Il ne faut pas supporter des choses comme ça. Il y a des choses à ne pas supporter. Comment je vais être brebis d'un pasteur? Si je n'ai pas confiance en lui. Si je ne l'aime pas. Le message a changé ou quoi? Tu es à l'école, tu n'aimes pas les professeurs d'anglais. Tu ne connaîtras jamais l'anglais. Aumupende mwalimu anglais. Auta iwaka anglais ata shikumoya. L'église, pour recevoir les bénéfices d'un ministère, doit aimer ce ministère. Kanisa kwa ajili ya kufaidikia huduma fulani inapasha kupenda ile huduma. Je sais. Minajua. Je sais que beaucoup de gens m'aiment. Minajua sema ba mingi hapa bananipenda. La majorité d'ailleurs. Minaweza kusema karibu bote bananipenda hapa. Et tu sais quoi? Na unajua nini? Je suis le pasteur de tous ceux qui m'aiment. Niko mchungaji wa bote bale bananipenda. Et de ceux qui ne m'aiment pas. Tena mchungaji na wabala banipende. Tu es protégé parce que je suis là. Unalindwa ni njumi ni chingariki hapa. Sois seulement là. We baki hapa kapa. Écoute. We endelea na kushikia. Endelea na kushikia. Un jour tu seras surpris, tu commences à aimer. Siku moja utashutuka tu unaanza kunipenda. Non.
Tu ne m'aimes pas, ce n'est pas parce que ça vient de toi, non. Ce sont des choses qu'on te met dans les oreilles. Mais restez là seulement. Ne fouillez pas. Soyez seulement. Moi je dis, Seigneur, protège les croyants de fellowship. Linde ba mini ba fellowship. Toi aussi tu es protégé. Na weye banakulinda. Frère Branham dit. Nduba manasema. Que Jezabel aime ou pas. Asema Jezabel apende, ashipende. Eli était son pasteur. Elia alikuwaka mchungaji wake. Quand Dieu place un homme, il est là déjà. Wakati Mungu aneka muntu arisha kumuweka. Regarde ton frère à côté là, dis-lui un mot El Rash. Umwangarie ndugu yako kumpembeni, umweleze, tumupende El Rash. Même si il refuse, dis-lui toujours. Atakama anakatalo mkankamishe umweleze. Tumpende. Et moi aussi je vous aime tous. Na mie pia, mina mipenda mwe bote. J'aime tout le monde. Napenda kila mutu. Même si tu me fous, je prie pour toi. Atakama kuna nikimbia nishikombe. Je prie pour toi. Mikuna kombea kapaka, atakuna nikimbia. Nikuna kombea paka. Le jour où vous allez saisir. Siku ilo utaelewa. Que le plan macabre de Satan. Asema ile mapo mubaya ya shetani. C'était la disparition de ce travail. Ilikuwa ni ikaji kwa pa izambala le pote. Tu ne seras plus distrait. Vous allez être soudés les uns des autres. Je l'ai dit à la réunion de mardi passé. Les gens là chez qui vous vous partez dire les problèmes de votre église. Est-ce qu'eux aussi vous disent les problèmes de leurs églises? Parce que Branham dit chaque église a des problèmes. Njou Branham anasema kila kanisa iko paka na mambo yake. Ils vous diront pas les leurs. Bo mambo yabo bataifuchika abatamieleza mambo mu makanisa yabo. Mais toi tu es là chez nous hein. Ah, njua kwetu kwetu. Incroyable m'a dit un jour. Mwamini moya rinyelezaka shiku moya. Il dit pasteur. Asema mchungaji. On nous a dit qu'on a tout fait ça pour que tu fouilles, mais toi aussi tu ne fouilles pas. Bari tueleza sima tufanye biote hibi njuu kimbie. Wena we kukimbia au kimbie paka. Battre à la retraite n'est pas ma nature. Kukimbia haiku asili yangu. Non. Mm-mm. Quand je vois ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Wakati minona binawaka, binawaka, binawaka. Je vais à la forêt. Mie naenda mpori. Je pars révoqué. Minenda kumualika. Il m'ajoute encore la force, la force, la force. Je reviens encore. Mina ruri atena. Je ne fuirai pas. Sita kimbia. Mais toi, walakini wewe, le Seigneur va te ramener. Bwana atakurudisha hapa. Et on va faire pour toi la fête de l'enfant prodige. Na tutakufanishia karamu ya ule mwana mupotevu. On va mettre les tapis rouges. Tutakwekea kapia mwekunda. Et on va t'accueillir. Na tutakupokea. Yes. Ndio. Dieu. Mungu. A inspiré Eliou. Alipulizia Eliou. Ah, aujourd'hui je n'irai pas loin. Leo nchitendambari. Eliou, fils de Barakel. Eliou, mwana wa Barakei. Il prit la parole. Akachukua neno. Il dit, je suis jeune. Akasema mie niko kiana. Et vous êtes veillants. Na mwe mugo bazi. C'est pourquoi je ndio kwa mana. Je crains na bangaki. Niliongopa. J'ai redouté. Nilikeba ange. De vous faire connaître mon sentiment. Nimijulishe nia yangu. Je ne voulais pas vous interrompre la parole. Sikupende nimikate sauti. Je disais à moi-même, les jours parleront. Masiku itasema. Le grand nombre des années va enseigner la sagesse. Itafundisha ekima. Il dit mais, asema kwa lakini, en réalité, katika ukweli, da
dans l'homme, c'est l'esprit. Niro. Le souffle Bumzing. Du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Il dit ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Il dit maintenant écoutez-moi. La sagesse. Et qui ment? C'est pas le nombre des années. Aiko bwinga miaka ulishafanya ya. Ça c'est Elihu. Uyu ni Elihu. Il dit la sagesse. Asema ekima. C'est l'esprit. Ni ro. Le souffle du tout puissant. Pumzi ya mwenye enzi. Dans l'homme. Ndani ya muntu. Voilà l'homme sage. Jo mutu ekima ule. La sagesse n'est pas les années. Et qui m'a aina bwingia miaka? Un grand gaillard sagesse zéro. Muntu mwenye kukomea mu miaka ekima sifuru. Oh, moi je suis ancien. Oh, mie niko wa zamani, niko mzee. Mie. Mais vous calculez ses actions par rapport à Branham a dit. Sasa unahesabia matendo yake kulingana na kile Branham alisema. Tu vois rien de l'ancienneté. Onona akuna ta kimoya cha buze ya kusema huyu ni mzee akuna. Et dans certaines familles on les ignore. Na ma familia nyingine bana basulaka na kubasula. Où est l'aîné? On présente un petit frère. Kaka yako wapi banaleta kaloko yake. Amen, nous voyons l'autre. Hapana, tunaona ule mwingine ule. Non, en fait, ba, ni kusema il est né avant. Alizalika kumbele. Mais kwa lakini, quand tu as des problèmes, kwa mambo naangalia kuleta masuluhisho kwa mambo, c'est l'autre ici. Miaka katoto waka. La sagesse ce n'est pas l'âge. Ekima aiko miaka. C'est l'esprit. Niro. Dans l'homme. Ndani ya muntu. Et lui dit, je pensais que beaucoup d'années, et l'âge dans la chair, va enseigner la sagesse. Et lui a dit, il wazia kwamba miaka ya mingi, miaka mumwili, itafundisha ekima. Il dit, mais je suis déçu. Asema, kwa lakini na fadhaika. Qu'est-ce que la sagesse? Ekima ni nini? La plénitude de la divinité. Ni utele ya bumungu. Amen. Amina. La plénitude de la divine. Utele ya bumungu. Toute la sagesse divine. Et qui ma yote ya mungu. Restauré dans l'homme. Yenye narudishwa ndani ya muntu. Quel homme? Ni muntu kani? Elihu le quatrième. Elihu ule wa ine. Après Luther. Kisha Luther. Après Wesley. Kisha Wesley. Après la Pentecôte. Kisha Pentecosta. Un garçon est venu de l'Est. Kiana moya anatokea kwa asubuhi. Jeffersonville. Ou Jeffersonville. Il est le quatrième. Eko wa inne. Et il est dans Malachie 4. Na eko Malakia inne. Et c'est la quatrième fois que l'esprit de lui vient. Na nimala ya inne. Oroya ilie nakuya. Elihu. Elihu. William Branham. William Branham a commencé à parler de l'éternité. Akaanza kusemea kuhusu umilele. Et l'épouse se lève. Na bibi harusi anainyuka. C'est Branham qui nous a soulevé de la poussière. Ni Branham ndio alituinyua kutoka mavumbi. Le message. Ujumbe. Nous a soulevé de la poussière. Il tutosha mu mavumbi. Et quand Job est debout. Na wakati Yobo yuko bwima. Il dit hehe. Anasema hehe. Mon rédempteur. Mukombozi wangu. Il est vivant. Et comme Zima. Même si l'hiver détruise ma peau. Ata bivinyo, bikikula mwili yangu. Même si aujourd'hui ça ne va pas. Ata kama leo abiendeke. Ça ne va pas. Abiendeke. Je sais. Najua. Est-ce que quelqu'un peut dire je sais? Tu n'as pas dit najua. Sir. Dada. Même si les choses ne marchent pas. Ata kama bintu abiendeke. Je sais. Minajua. Je sais mina jua que mon rédempteur mukombozi wangu est vivant. Et comme jima, il se lèvera le dernier. Atasimama kumwisho. Le dernier n'est pas ton oncle. Wa mwisho aina muyomba yako.
Le dernier, ce n'est pas l'homme là qui met point à ta vie. Wa mwisho aiko le mtu anatia nukta ku maisha yako. Si tu vas à l'église, je ne te paye pas les minerval. Kama unaenda kwa ile kanisa, shita kulipia masomo. Tu n'es pas le dernier. Auna wa mwisho. Alléluia. Alléluia. Oh, ta vie n'ira pas de l'avant, dis oui. Maisha yako itenda mbali, umweleze. Le dernier se levera. Wa mwisho atashimama. Il se levera le dernier. Atashimama wa mwisho. Après que les hommes ont mis point, 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 mais mon rétenteur, mukombozi wangu, il se levera le dernier. Atashimama wa mwisho. Et de mes yeux, na imencho yangu, je verrai sa gloire. Taona utukufu yake. Il y a une gloire à venir. Kuko utukufu ile ko munjia iko nakuya. Dans le message, chercher la vie éternelle. Mujumbe tafuta uzima ya milele. Le reste va venir. Ibi bingine byote bitafuata. Aimer Dieu plus que tout. Umupende Mungu kushindia byote. Je suis allé à Eliou pour montrer que la sagesse c'est la divinité. Nilienda kwa Eliou njua kuonyesha sema hekima ni bumungu. La divinité dans l'homme, bumungu ndani ya muntu, c'est la sagesse. Njo hekima. Il ne faut pas que quelqu'un t'intimide que je suis grand. Aipache muntu akute teme chasema niko mkubwa. Si tu es grand, kama mkubwa, montre ta grandeur. Onesha bukubwa bwako. Que ça ne soit pas seulement des intimidations. Je peux pas bukubwa wa mukinywa. Les jeunes viennent dans le message. Babiana banakuwa mujumbe. Ils veulent voir le comportement des grands. Banapenda kuona mwenendo ya bakubwa. Mais grand, montre-toi que tu es grand. Oui, mukubwa. Shurionesha seme, uko mukubwa. Grand va à l'église seulement dimanche. Mukubwa nenda ukanisa paka Jumapili. Tous les jours de la semaine, ça ne les regarde pas. Imashiku yote ya wiki aijue. Mais il est grand. Kwa lakini ego narita mukubwa. Il peut te citer 100 prédicateurs qu'il a écoutés. Anza kutaya baubiri 100 bali alisikia. Mais mercredi à l'église, il n'est pas là. Vendredi, il n'est pas là. Et d'ailleurs, grand, il est patron lui-même. Mais il ne sait pas faire un horaire. Vous savez, najua, Dieu dit, Mungu anasema, moi, j'aime aussi que tu sois avec moi lorsque tout va bien. Mie napendaka pia ukwe pamoja na mie pale biote biku nendeka mzuri tukwe pamoja. C'est comme si Dieu, iku satu vile Mungu, on doit le réserver seulement des choses mauvaises. Ye tunamchungia paka mwakati mibaya njo tunamupatia ile mkwatini. Quand la maladie terrasse, pale magonjwa inakupika. Ah Dieu, oh Mungu. Quand les choses wakati ne vont plus bien, tena mzuri, ou bien les bandits sont entrés dans la maison, ils ont pillé, ba bandi bana kuingiriria, bana kunyanganya, ou quelque chose qui ne va pas chez un enfant, wala kitu kila kiendeke kwa mtoto, ou chez quelqu'un dans la famille, wala mfamilia, c'est en ce moment que Dieu doit être appelé. Mungu utamuita Mungu, Mungu. Ce n'est pas bien. Aina mzuri. Appeler Dieu aussi quand tout va bien. Umuite Mungu pia pale biote biko nendeka mzuri. Quand tu as tes argent là, pale unapata kofranga, que Dieu se réjouisse. Mungu na ye afurai mwile franga yako. Quand tu es fort, pale uko na nguvu, il te voit à l'église. Mungu akone uko ku kanisa. Tu es là mercredi, tu es là vendredi, tu es là dimanche. Ce que Dieu veut te donner, il va seulement te donner. Ile Mungu anapenda kukupatia, atakupatia paka. Je lis cette citation, peut-être on va arrêter là aujourd'hui. Na soma ya ndiko sangine utashimamia pa leo. Attitude qui est Dieu? Ali na Mungu ni nani? Attitude et qui est Dieu? Ali na Mungu ni nani? Mon sujet c'est qui est l'homme? Kishina yangu ni muntu ni nani? Bienvenue. 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 Bienvenue, ça va? Bienvenue. Uko poa? Simama kwanja, uko poa? Tu viens d'où là? Tu étais loin. Natokea wapi? Ulikuwa shafika mbali naona. Tu m'écoutais dans le son. Uko nanishikiria mu bushingishi shinjo vile.
Lève-toi un peu si ça part. Qui est l'homme? Muntu ni nani? Et ici il nous demande qui est Dieu. Na hapo natuliza Mungu ni nani? Nous allons comprendre. Pale tutaelewa. Par cette citation. Kupitia hii andiko. La réponse à la question qui est l'homme? Jibu ku ile swali mutu ni nani? Est égal à qui est Dieu? Ile jibu njo Mungu ni nani? Dis-lui qui est l'homme, c'est qui est Dieu. Umweleze mutu ni nani njo Mungu ni nani? Qui est l'homme? Mutu ni nani? Abraham dit ici attitude qui est Dieu. Abraham anasema hapa ali na Mungu ni nani? Je prends directement paragraphe 20 pour gagner le temps. Moja kwa moja nachukua kifungu kia 20 kwa ajili ya kuponda wakati. Ou bien 19 un peu en bas là. Ao nachukua 19 alo huko chini huko. Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Mungu alisema tufanyeni mtu kwa picha yetu. À notre ressemblance. Kwa fananisho yetu. Est-ce que c'est vrai? Eti ni kweli? Branham te pose la question. Branham eko na kuuliza. Est-ce que c'est vrai? Eti ni kweli? C'est amen, hein? Ni amina. Est-ce que réellement l'homme a été créé à l'image de Dieu? Eti bia kweli tu mtu balimuumba kwa picha ya Mungu? Regarde-toi. Uriangarie kwanja. Regarde-toi. Uritazame. C'est ça Dieu. Njo Mungu ule. Si tu es un poisson, kama uko samaki, Dieu est poisson. Manake Mungu ni samaki. Faisons l'homme à notre. Tufanyeni mutu kwa picha yetu. Mais toi tu n'es pas un arbre. Sa wewe pale unariangalia, hauna muchi. Si je te voyais l'arbre, je saurais qui est Dieu. Kama miri kuona sema kumuchi. Pale nilifia kuyua sema Mungu ni nani? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Aliumbiwa kwa picha ya Mungu. Kanambi, est-ce que c'est vrai? Kama sema eti ni bia kweri. Et quand je regarde autour, je vois l'homme. Na kama mimi natazama kumpembeni mimi namuona kwa mtu. Je peux savoir qui est Dieu. Mimi naweza kujua Mungu ni nani. Parce que l'homme est fait à l'image. Juu mtu anafanizika kwa picha ya Mungu. Mungu ni mtu. Dieu c'est un homme. Mtu ni Mungu. L'homme c'est Dieu. Ah ah. Ah. Huyu mtu ni commencement, il dit Dieu étant esprit. Wa kumwanzo anasema Mungu vile eko roho. Cet homme a dit donc être un homme esprit. Ni kusema huyu mtu alikuwa kana yeye roho créé à son image. Aliyoumbiwa kwa picha yake. Il l'a placé ici sur la terre. Almutia hapa pa bulongo. Pour diriger les animaux. Kwa ajili ya kuongoza manyama. Et autres. Na bingine. À la manière du Saint-Esprit. Munamna ya Romtakatifu. Qui est censé diriger l'église aujourd'hui. Ule anapashwa kuongoza kanisa leo. C'était la l'homme. Ule njo alikuwaka muntu. Saint-Esprit, hein? Rome Takatifu, hein? L'homme. Muntu. Continuons. Tuendele. Quand il l'a placé, il n'y avait pas d'homme pour cultiver les sols. Wakati alimtiaka ule mutu, akuwaka mutu njua akulima budongo. Il lui a donné cinq sens. Alimpatia maisi tano. C'est ici que les hommes de science s'embrouillent. Njua hapa wafana siasa wanadivurushwa. Et remarquez. Tambueni basi. Quand il était sur la terre. Wakati akuwa hapa bulongo. Il lui a donné une aide. Alimpatiaka musaidizi. Il était dans une communion bénie avec son père. Alikuwa kamushirika ya baraka na baba yake. Il se parlait. Alikuwa anazungumza na baba yake. Ici je vais développer dans la semaine. Hapa nitapanua katika wiki. Quand Dieu enlève la côte. Wakati Mungu anaondoa lubavu. Il fait la femme. Anamtunga mke. Après un profond sommeil d'Adam. Kisha usingizi kubwa ya Adamu. Il se réveille. Adamu analamuka. Il est content. Anashikia furaha. Il est zélos de mes os. Anasema huyu njo mufupa ya mifupa yangu. Chère, eh? Njo mwili de ma chère. Ya mwili yangu. Il était content. Adamu alikuwa ashikiaka butamu, ashikiaka mzuri. Parce que tout le temps il voyait les animaux deux deux. Wakati wote Adamu alikuwa anaona banyama bawili 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 bawili.
Mais lui, il était seul. Ça le tourmentait. Mais il ne disait rien. Mais quand Dieu lui donne l'aide, il manifeste sa joie. Hausse de maison. Chair de ma chair. Il était content. Dans le mariage, on est content. Mondoa, on n'a pas chaque quoi na fura. Le mariage, c'est la joie. Ndoa ni fura. Le mariage, c'est l'harmonie. Ndoa ni mapatano. Le mariage, c'est la compréhension. Ndoa ni kuelewana. Le mariage, c'est la complémentarité. Ndoa ni kuriongezeana. Le mariage, ce n'est pas allons à l'église, toi va devant. Ndoa aina twende ukanisa, allez tanguria. Tu as honte de marcher avec elle. Ukuna shikia aya ya kutembea na rishushu wako. Mais c'est la même femme là qui était debout. Shinjo ule mwanamke mwayamwe alikuwa kabwima. Aujourd'hui elle t'a donné les enfants. Leo anakuzaria batoto. Tu as honte qu'elle soit à tes côtés. Unashikia haya vile alishaku badilika kumecho pale pembeni yako. Adam était content. Adamu alikuwaka na furaha. Si ta joie n'est pas à la maison à côté de ta femme, tu as un démon. Kama furaha yako haiko kunyumba yako kumpembeni ya bibi yako, furaha yako iko fa shingine, uko na demona. Tu ris ailleurs. Kwingine njo kunaonesha meno. Mais quand tu arrives à la maison. Wakati unarudia kunyumba. Les enfants t'ont déjà donné même un nom. Batoto barisha kukupatia na jina Mobutu. Tout le monde doit fuir. Bote banapasha kukimbia. Et la maison devient calme. Na nyumba ka unafike na kwa kimia. Non. Bia vila pana. Adam était content. Adamu alikuwaka na fura. Pourquoi il n'y a pas la joie? Jua nini sasa munyumba yako mo amuna fura. Dialogue. Kusumburia amusumburiake. La sœur joyeuse quand elle parle avec des frères. Dada ye eko na fura na ncheko ni pale kuna sumburia na banduku. Ncheko ncheko kuna onekana. Quand elle parle avec les pasteurs. Là, vous sentez vraiment la douceur. On a chiqué au pole wa dada hau dada ni mupole. Mais devant son mari. Lakini mbele ya bwana yake. Besseres. Ashakuya peser. Et si dans votre couple il n'y a pas la joie, na kama mundoa yenu amuna fura, qui est le problème? Ule kuna leta mambo ni nani? C'est le frère ou c'est la sœur? Ni nduku au ni dada? Chacun de vous a la réponse. Kila mmoja wenu, qui est le problème? Ule kuna leta mambo ni nani? Parce que dans le mariage il faut la joie. Ju mundoa mnapasha kwa fura, mnapasha kwa butamu. C'est un petit millénium. Ni millénium ya kiloko ndoa ile munaona ile. Quand j'ai donné ça à Kisangani, j'ai dit à des célibataires endurcis. Wakati nilihubiri ukisangani, nilioleza bale bambalaka bale balisha kukawia mbumbalaka. Je dis si tu es célibataire longtemps et que ça ne te dérange pas. Kama na kawia mbumbalaka. Nabumbalaka bule abukuji. C'est que tu mènes une vie de souillure en cachette. Ni kusema kweushi kweushi. Una maisha ya buchafu. Parce que le célibat ne peut pas réjouir quelqu'un. Du bumbalaka abwezi kufurahisha muntu. Adam était content. Adamu alikuwa na fura. Oh. Hey, yeah, yeah, yeah. Oh, c'est de mes os. Mufupa ya mifupa yangu. Chair de ma chair. Mwili ya mwili yangu. Hein? Hmm? Isha. Branham dit en hébreu c'est Ishlom. Isha la femme. Anasema Ishlom, Ish la femme. Ish. Et Isha. Na Isha. Pourquoi pas la joie? Ça ne joue à nini mundo ya kwa mafura. Parle de deux couples. Du
s'il vous plaît. Branham. Branham parle de deux couples. Anasema njua mando ai mbiri. Qu'il avait consacré. Ile mando alitoleaka kwa Mungu. Il est allé en cachette le voir. Anaenda kwa ushiku ushiku batembelea. Il arrive au couple des riches. Anafika ku ndoa ile beko na franga na pabule. Il trouve une chamaï qui n'a pas de. Anakutanisha bukomvi bwashipo na njina. La femme mwanamke voulait une certaine robe. Alipenda ba muzien kanjo ya modèle fulani. Mais l'homme revient à la maison, tout l'argent est fini, il a distribué différents bureaux. Bwana anaruria ku nyumba pesa yote naisha chakwa cha kutuba ndumba makuta yote. Hein? Elle à la maison là, c'est la femme pour prier. Bibi wa ku nyumba ni wa kumombea njuka jiende kumbele. Mais quand l'argent est là, c'est les inconnus qui doivent manger. Tu blagues avec moi, Branham dit, et l'homme et la femme terrient. Branham se retire. Il va dans l'autre couple des pauvres. Il est en harmonie. En harmonie. L'homme Bwana a sorti tout l'argent du salaire. Alitosha pesa yote ya mshahara. Il dit chérie, c'est un peu, c'est tout ce que j'ai reçu. Mais kwa lakini, j'ai vu une robe jolie. Niliona kankanjo kama kazuri. Je vais enlever quelque chose. Mina penda nitoshe kitu moya humu, mui pesa. T'acheter la robe. Niende kununulia kale kankanjo kale kazuri sana. Non, chérie. Bibi anasema hapana mupendwa. Mama, l'argent là, il n'y en a pas trop. Pesa yunona, aina ya mingi. Essaye d'abord la robe. Ile mambo mbe ankanjo, uyeke mbele kumpembeni. On cherche d'abord à arriver à la fin du mois. Tutafute mbele, tufa nguvu vite tone vile tutafika kumwisho wa mwezi. Branham dit, oh. Branham asema, hey. Il parlait calme. Balikuwa na zungumuza kimya na mapendo yote. In harmonie. Mapatano. Il dit, voilà un couple. Asema angale, injo ndoa. Regardez de ce côté. Moi, badad. Voyez ce qui va se passer. Mangalie ngambo ya huku mwone mambo itafanyika ngambo hii. Les hommes qui montrent tout l'argent à leurs femmes, levez la main. Babwana bale banatosha. Si le man venait me dire. Pesa yote banaonesha babibi yao. Mpandishe mikono yulu. Kama banalanda, mko mnyone mimi mwenyewe mitaishana nabo. Viens me voir, dis-moi frère, ikama. Kwa hiyo anasema bwanangu la nalanda shionesha ke yote. Merci. Accenti. C'est la main. Ah, chucha mkono. Qui peut sacrifier son besoin pour dire à son mari que non, laissons ça d'abord de côté. Ugu badada na mwe. Nani anaweza kubeba kitachi yake? Anaweza kumpembeni, anasema atoke mbele kumpembeni. Mwana mwe mwangalie kama analanda mnakuwa kumsema. Mwangalie. Siko. Sasa. Bolingi eglise kende liboso ndengene. Munapenda kanisa ende kumbele je. Parce que ceux qui n'ont pas foyer, n'ont pas besoin d'aventurer. Du mbele kama mafoyer yenu, muko na michezo wa mpatani mzuri mafoyer yenu. Vous venez à l'église seulement menti. Alléluia. Vous venez seulement à tout d'angane, pas alléluia. Arrangez vos foyers. Motengeneze majama yenu. La femme là n'est pas ton ennemi. Uyu bibi yako naona uyu. Ana adui wako. C'est ta femme. Ni bibi yako richakuria we mwenyewe. In aid. Musaidizi wako. Harmonie. Mapatano. Je vais approfondir ça. Mtachimba yo mtaona. Parce que si je ne vous le dis pas, qui vous le dira? Kama simieleze mambo. Nani mwingine atawa kumieleze ayo? Je vais approfondir. Mtaichimba. Il faut que le foyer il n'a pas choix jama soit le berceau de la nouvelle naissance. Kitanda mwenye muna zalika mala ya pili. Parce que la nouvelle naissance nukuzalika kwa mala ya pili, c'est depuis nos chambres. Kukuna nzia mumachumba yetu. Je vois le visage renfonye. Mine una munanja kufunga mansula. Tu as touché le point, pourquoi? Mambo nenda kuibambia njua nini. La femme est une aide, elle n'est pas un torchon. Bibi ni musada. Ashina kikolopo. La maman mérite aussi aller manger le shawarma. Mama
apana pa kumuziaka bikanda umpeleke akure na ye shawarma hein c'est pas elle seulement farine aina paka e bunga pondu onsombe kandakala ondakala mais toi tu es au resto walakini weye kuma resto kunaenda kwa wewe mwenyewe. Elle n'a pas le droit d'entrer au restaurant. Yeah, je connais qu'on a kabat, ne, ande kunjia kwa restaurant. Elle ne saura pas prendre la fourchette à gauche. Ata iwa kwa sima barabambia kankanya huku na kisu huku. Mais il faut lui montrer. Sasa napasha kumonesha. Et vous aussi les villageois acceptez aussi. Na mwe bakimukini simwichikie kopia. Hein? Tu es villageoise? Wa kimukini? Ton mari te montre. Bwana yako anakuonesha vile barabambaka kisu na nkanya. Mais tu veux gonfler. Kwa lakini unafia kuvimba kuonesha sio cha kuyua. Oh, merci chérie, je suis villageoise. Ah, sema accenti mpendwa niko wa kimukini. Montre-moi sans toi. Onyoneshe bila wewe. Qui va me montrer encore? Nani mwingine ula tanyonesha? Mon frère, si ton argent ta femme ne se réjouit pas, on va mettre point d'interrogation. Ndugu yangu, kama pesa yako bibi yako ashifura yake, tutajiuliza sasa. Et vous les célibataires, je viens contre vous. Na mwe bambalaka, niko nakwa kumipinga mutanishikia. Je dois savoir tu es célibataire pourquoi. Mina pasha kujua unapendo bakie mbalaka njua nini kumbalaka. Oui. À un moment dans mon pastorat, j'ai commencé à surprendre les jeunes gens la nuit. Mwakati moja mimi mbuchungaji bwangu anza kushutusha. Babiana bambalaka bushiku niko na batokele. Odi mi huyu. Il y a des gens. Kwa bambalaka bengine. C'est qui? Ni nani? Non, c'est pasteur elle. Apana ni mchungaji rash kaka Isaï. Quand quelqu'un ça va bien, la porte va s'ouvrir vite. Oh, pasteur Shalom. Wakati ule mtu ana mambo, nikufungula mlango mbio mchungaji, salama ingia na ndani. Mais quand ça traîne là. Kaza kama pa kufungula mlango kale haifunguke. Sachez que you are sema ule mbalaka. On cherche des explications, c'est ma cousine. Natafuta kusema ni me voir. Ni muloko yangu mwanamke wa kumkini njo alikuya njo atarudia kesho. Na bushiku buna mwingiriria hapa. Mariez-vous. Muowe. La Bible dit Adam était content. Biblia nasema Adam alishikiaka butamu. Et dans le mariage, s'il n'y a pas la joie, Namundo, dis-moi qui est le problème. Namundo, kama butamu abuna, mumunyeleze. Nani yeko na kimbisha bule butamu. Il y a des frères qui pensent que la femme ne peut pas donner une idée. Kuko badada, banduku bengine beko na wajia sema, bibi ana akiri awezi kuleta mawazo ya muzuri. S'il prend l'idée de la femme, il est inféminé. Kama na beba akiri ya mwanamuke manake, yeko na riona wachini. Non. Apana. Tu as seulement un esprit mauvais de nos papas de Kasai. Uko tu na roho mbaya ya baba yetu wa Kasai. Parce que nos papas de Kasai. Ndio baba yetu wa Kasai. Ils trouvent que la femme anabanaonaka sema mwanamke n'est qu'une servante, c'est terminé. Yeye tu ni mfanya kazi na kunaishia pale. Mais la Bible dit elle est une aide. Lakini Biblia hiyo inasema bibi yako ni msaidizi wako. Elle peut aussi dire quelque chose. Anaweza pia kusema kitu moja. Qui peut aussi aider. Kile kitu nakio kinaweza kusaidia. Ça ne fait pas de toi un féminin. Akikufanya na kuwa mwanamke wa chini hapana. Ah, ça va. Ah, mnashikia? Je parle. Kusema ndilisha kusema. Et je vais continuer. Na ntendelea paka na kusema. Une femme qui parle comme un homme a des démons. Mwanamke ule kuna sema sababu eko na mandemona. Parce que quand Dieu a fait la femme, il a mis dans la voix de la femme la féminité. Ju, wakati Mungu aliumba mwanamke, alimpatia kale ka sauti ka nyonyo. Quand une femme parle, tu peux même vouloir pleurer. Eko na sema sababu, unaweza na kufia kulia. La femme a la voix féminine. Mwanamke anakaa na sauti ya banamuke. Même quand elle a raison. Ata pale eko na seria sababu. Elle sait aborder. Anajua kusema na kasauti kazuri. Mais quand la femme commence à taper sur la table. Mwanamuke anatokelea bababu.
ni kupika mkono ba meza. Tu as des démons. We mwanamke yua sema kuna mandemona. Bon, fermons un peu les parenthèses là. Tufunge tu le mulango ile. On va continuer. Tutaendelea. Je finis ici. Miko na malizia hapa. Je suis au paragraphe 20. Donc kifungo yake ya 20. Et puis nous allons faire ce deuxième homme. Kisha tofanya huyu mtu wa pili. Le premier homme. Ule mtu wa kwanza. Vous ne pouvez pas le voir. Amwezi kumuona. Il était esprit. Alikuwa karo. Qui m'a déjà vu ici? Nani apa alishaka kuniona mi? Personne. Hakuna mtu atamu ashaka kunionaka. Le deuxième homme. Huyu mtu wa pili. Était un halo. Alikuwaka allo. Et maintenant? Na sasa. Il prend un troisième homme. Anachukua sa mutu wa tatu. Et le fait comme un petit nuage blanc. Na mufanya sa liwingu ya kiloko ya mweupe. Il apparaît. Ikunaonekana. Nous pouvons le voir. Tunaweza kumuona. Le Saint-Esprit qui descend. Roho Mtakatifu ule unachuka. Et na il est un homme tout fait. Eko muntu mujima. Ça, uyu, c'est l'âme de l'homme. Njo nafsi ya mutu. Elle est donc éternelle. I nafsi iko ya milele. Qui est l'homme? Muntu ni nani? Il était esprit. Mutu alikuwa kwanja ro. Il est devenu allo. Anakuwa allo. Il est devenu un nuage blanc. Anakuwa liwingo mweupe. Il est devenu le Saint-Esprit. Anakuya Roho Mtakatifu. Ça c'est l'homme au niveau de l'âme. Huyu ni mtu mkipande ya nafsi. Éternel. Wa milele. Qui est l'homme? Mtu ni nani? Qui est Dieu? Mungu ni nani? Cet homme a suivi le même processus comme Dieu. Huyu mtu alifuata njia moya moya paka sa Mungu. Dieu était esprit. Mungu alikuwa kaho. Il est devenu allo. Mungu akakuwa allo. Il est devenu un nuage blanc. Chakwa liwingo mweupe. Il est devenu le Saint-Esprit. Kisha akakuwa Roho Mtakatifu. L'homme aussi à l'image de Dieu. Mutu pia kwa picha ya Mungu. A commencé par être esprit. Alianzia po kuwa roho. Il est devenu un halo. Anakuwa nuru. Il est devenu un nuage blanc. Anakuwa liwingo mweupe. Il est devenu le Saint-Esprit. Akakuwa Roho Mtakatifu. Quelle partie? Ni sehemu gani inakuwa Roho Mtakatifu? L'âme. Nafsi. Dis à ton ami, même si tu es fatigué, avale. Mweze rafiki yako ataka mwana choka. Meza mbele, mbele meza. Dis-lui. Ton âme c'est le Saint-Esprit. Umweleze nafsi yako njo Roho Mtakatifu. Ai! L'âme, nafsi c'est le Saint-Esprit. Njo Roho Mtakatifu. Et à ce niveau-là, l'homme là n'a pas besoin du Saint-Esprit. Mwile kipimo ya nafsi Roho Mtakatifu. Ule muntu ana na lazima tena ya Roho Mtakatifu. Parce que lui-même il est le Saint-Esprit. Yeye mwenyewe tayari eko Roho Mtakatifu. L'homme là n'a pas besoin d'incarnation. Ule mutu là na lazima Mungu adingize ndani yake. Il est Dieu. Juye mweko Mungu. Il est halo. Eko nuru. Il est nuage. Eko wingo. Il est esprit. Eko rom. Il est le Saint-Esprit. Eko Roho Mtakatifu. Quelle partie? Sehemu gani? La nafsi. Pas le corps. Apana mwili. Le corps ici, il faut Dieu. I mwili inapashwa paka Mungu. Si Dieu ne vient pas dans ce corps, il va faire n'importe quoi. Kama Mungu ashinge mwili. I mwili itafanya bibaya biote. L'incarnation c'est au niveau de ce corps. Kudingiza mwili ni mwili njo Mungu anadingiza. La nouvelle naissance c'est dans le corps. Uzali kama la apiri ni mwili kunazali kama la apiri. C'est pourquoi la Bible parle qu'à la seconde venue, c'est la rédemption de notre corps. Ni kwa maana Biblia inasema kujio mala ya pili ni ukombozi ya mwili yetu. L'âme n'a pas de problème là. Nafsi yo aina na mambo kule. L'âme est éternelle. Nafsi yo iko ya milele. L'âme est esprit. Nafsi iko ro. L'âme est un halo. Nafsi iko nuru. L'âme est un nuage blanc. Nafsi iko liwingo mweupe. L'âme c'est le Saint-Esprit. Nafsi ni Roho Mtakatifu. Mais pour l'homme restauré. Lakini kwa ajili ya ule mtu alirudishwa. Qui est l'homme? Muntu ni nani? La réponse c'est qui est Dieu? Jibu ni Mungu ni nani?
Si tu vois Dieu, kama unaona Mungu ni nani? C'est comme ça l'homme. Jo vile muntu eko. Et je finis à dire ceci. Na maliza mkusema hivi. L'homme de Genèse 1 et l'homme de Genèse 2. Ule muto mwanzo sula kia kwanja na muto mwanzo sula ya pili. Quand Dieu les met ensemble. Wakati Mungu anawatia pamoja. Dieu ne l'envoie pas aller écrire des CV. Mungu ashimweleza sema wende ukatafute kazi mkuandika ma CV. Dieu lui dit, Mungu anamweleza sema cultiver la terre. Rima budongo. Dominer. Tawala. Assujettisse. Tawala ile bulongo ile. Ubone. C'est pas quelqu'un que le patron doit blâmer. Aina muntu ule kila siku bosi anapasha kumfokea. Qui est l'homme? Muntu ni nani? Entrepreneur. Ni mwenye eko na umba makazi. C'est un créateur. Mumbaji wa makazi. Il a la domination quand il marche. Eko na utawala wakati eko na tembea. Changer la vision. Badrisha ono yako. N'allez pas à l'école pour dire en effet, je suis à la recherche d'un poste vacant, j'ai appris que terre est décédé. Ushende kumasema sema ni kusema mimi shikia sema umu mna kazi njoo alikuwa hapo alikufa mimi napenda nikweni mkombole. Non. Hapana. J'ai l'honneur n'est pas pour toi. Ile mambo ya kusema mimi natafuta kazi ile aina yako. L'homme Dieu l'a créé pour entreprendre. Mungu alimuumba muntu njoo muntu aumbe kazi yake. Que l'homme change sa situation. Muntu abadilishe maisha yake. Cet homme là c'est toi. Ule muntu anapasha kubadilisha ni wewe. Déjà je viens de te montrer comment aucun démon ne va te dominer parce que tu es à l'image de Dieu. Bela pana toa kuelezea namna gani hata demon moja hawezi kukutel kutawala njugu kwa picha ya Mungu. Tu es à l'image de Dieu. Uko kupicha ya Mungu. Dans ton âme, toi qui as reçu Branham. Munafsi yako wewe ulipokea Branham. Toi qui as reçu ce message. Wewe ulipokea hii ujumbe. Ton âme est déjà devenue le Saint-Esprit. Nafsi yako ile ilishakuwa Roho Mtakatifu. Tu marches en dominant. Uko natembea mukutawala. Assujettir. Mukutawala kabisa. Je te dis ceci. Na kuelezea hivi. Si tu as un travail de salaire, hein? Kama bana kulipaka kumwisho wa mwenji. Travailler avec une vision. Tumika ile kazi kwa lakini uko naono mbari. Je vous dis les choses vraies. Niko na melezea bintu bia bia kweri. Avec le travail de salaire, tu ne feras rien de grand. Na kazi ya mushara hii hautafanyaka kya kabaila maisha yako. Si tu veux progresser. Kama unapenda uendelee. Retourne dans la Genèse. Ruria mukitabu kya mwanjo. Alors quand on te paye à la fin du mois. Wakati bana kulipa kumwisho wa mwenji. Économise. Wanze kuchunga, wanze kuweka mwakiba, unachunga, unachunga, kuwa na mawazo ya kazi mtafanya kumbele kule. Poka anjo. Njushiku moya. Tu sois ton propre patron. Ukuye bosi wa kazi yako we mwenyewe. L'entrepreneuriat. Kufanya kazi yako we peke. C'est ce que Dieu avait donné dans l'homme. Jo ile Mungu alipatia mutu. Que cette vision ne te quitte jamais. Iono isikuache kamwe. Déjà là, je te mets dans un stade supérieur. Tayari hapa na kuweka mcheo ya yulu zaidi. Alors, j'ai lu deux citations et j'arrête ce matin. Na kusomea maandiko mbili na mimi nashimamia pale asubuhi ya leo. On va continuer dans la semaine. Tutaendelea katika wiki. Je commence avec naanza na andiko la communion par la rédemption. Ushirika kupitia ukombozi. Paragraphe 27. Kifungu yake 27. Frère Branham dit. Ndugu anasema or Japo. L'homme au départ a été créé. Mutu kule mwanzo aliumbiwaka. Même dans cette condition corrompue dans laquelle on est aujourd'hui. Atamui ali ya kuoza umutwiko leo. L'homme a été créé pour servir Dieu. Mutu aliumbiwaka kwa ajili ya kutumikia Mungu. Il dit même dans sa condition déchu. Asema atamui ali yake ya kuanguka. L'homme muntu reste cependant la plus grande espèce de toutes les espèces de la terre. Anabakia kwa lakini
Et si donc vous les mettez en contact avec son créateur, il devient presque un super homme. Parce que il est fils de Dieu. Il fait connaissance avec son créateur. Le créateur de toutes choses. Ensuite, quand cet homme-là fait connaissance avec son créateur, il devient une partie de son créateur. Il retrouve la communion avec son créateur. Toutes les paroles divines deviennent une réalité vivante pour lui. Et il la croit. Na anayamini. Super homme. Mutu bora kabisa. Ah non. Oh, Branham, il fallait qu'il vienne. Ndou Branham, il pas choix pas akouye. Voici comment Branham croit de toi. Mwanga angaria vile Branham anamini kile weye wiko. Il dit peu importe la condition dans laquelle tu te trouves. Maintenant, asema aizuru mu ali yoyote mule unadikutanisha apa sasa, il ne voit pas ça. Auna kile hapana. Branham ne voit pas ça. Branham ashone ile ali wiko leo. Peu importe aizuru la condition ali dans laquelle tu te trouves. Mule unadikutanisha apa sasa. Pour Branham, kwa ajili ya Branham, tu es un super homme. Uko muntu bora kabisa wa yulu sana. Wa yulu sana. Wa yulu sana. Ah? Hmm? Est-ce que quelqu'un peut croire ça? Et tu unaweza kuamini hii? Malgré ta condition actuelle. Aizuru mwili ali yako ya hapa sasa vile wiko. Mais Branham lui. Lakini Branham yeye te voit eko na kuona un homme super. Asema uko mtu wa yulu sana. Qu'est-ce qui manque? Nini nakosa? La connexion. Ni mambatano uchomekewe. Avec qui? Bakuchomeke kwa nani? Créateur. Kwa mumbaji wako. Hai. Hein? L'homme de Bethesda crié. Ule mutu wa kubethesda kwa nalalamika. Qui me prendra? Nani ula tani beba? Et me connecte. Na tani chomeka. A la rivière. Kumuto. Qui me prend? Nani atani chukua? Oh! Eh! Dans cette génération, Branham a prêché. Il y a maintenant ici un homme qui peut aller. Mwiki zazi, Branham a lubiri. Kuko hapa sasa mutu anaweza kuwakisha. C'est-à-dire la connexion, c'est aussi un homme. Manake kuchomeke wanayo pia ni muntu. Hein? Hmm? Un homme. Muntu. Qui te prend. Ula na kuchukua. Connexion anakuchomeka avec le créateur na mumbaji wako. C'est ce qui arrive maintenant où je parle. Njo ile kunafika huko niko naenda huko maintenant où je parle là. Hapa niko nasema hapa Dieu est en train de connecter certaines personnes. Mungu yuko anabeba bantu bengine anabachomeka anabachomeka anabachomeka. Je viens de te montrer la valeur de ton âme. Mimi natoa kuonesha bei ya nafsi yako. Tu es le Saint-Esprit. Wewe uko Roho Mtakatifu. Tu es à l'image de Dieu. Wewe uko kupicha ya Mungu. Si au commencement Dieu était allô. Kama kumwanzo mwanzo kule Mungu alikuwa allô. Tu es allô. Wewe uko allô. S'il était logos. Kama kwa logos. Tu es logos. Wewe uko logos. S'il était théophanie. Kama kwa théophanie. Tu es théophanie. Wewe uko théophanie. S'il était le Saint-Esprit. Kama kwa Roho Mtakatifu. Tu es le Saint-Esprit. Uko Roho Mtakatifu. Déjà à ce niveau aucun démon ne peut marcher sur toi. Tayari mwile kipimo hakuna hata démon mmoja anaweza kukutawala. Est-ce que tu peux dire que je marche sur les échecs? Eh, tunaweza kusema mimi nakanyanga kushindwa yangu yote. Je marche sur la pauvreté. Mimi natawala bumaskini. Je marche sur la maladie. Mimi natawala magonjwa. Je marche sur le démon. Mimi natawala mandemona. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a le diabète ici. Niko naeleza mtu leo na diabète hapa. Que cet ange ya qui est kwamba, là. Huyu malaika iko hapa. Est capable d'extraire. Eko na uwezo ya kuondoa ile sukari. Et remettre ton sang. Na kurudisha damu yako. Dans un état normal. Ali ya sawa kabisa.
Je sais de quoi je parle. Et tu iras faire ton examen. Et tu vas voir que tout est redevenu normal. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour être dominé. Mais toi, tu dois dominer. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a toujours dit ma maladie, mon problème, ne dites plus jamais ça. Ce n'est pas ta maladie. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ta difficulté. Je te prends par la grâce de Dieu. Je te ramène dans Genèse. Dominé. Tawala. Dominé. Tawala. Dominé. Tawala. Maintenant même. Apasasapa. Écoutez. Sikiliza. La connexion. Kuchomekewa. Avec na le créateur Mumbachi. En ce moment-là, mwile wakati, tu deviens unakuya une partie de ton créateur. Sehemu ya Mumbachi wako. C'est un membre de famille qui va dominer sur toi. Ni mwana membo familia ule atakutawala. C'est un problème au travail. Ni mambo kukajile atakutawala. Ou à l'université. Wala ku university. Quel est ton problème maintenant où je parle? Mambo yako hapa ni unasema hapa ni nini? Dominer sur ça. Tawala ile mambo. Assujettissé. Oui, tawale. C'est un pouvoir qui ne demande pas l'imposition des mains. Ni uwezo ile ailombeshe bakweke mikono. C'est la parole parlée. Ni neno ilio nenwa. Souvenez-vous. Kumbukeni. Dans le troisième sacerdoce. Mukikohani ki atatu. C'est la parole parlée. Ni neno ilio nenwa. Prononcez la parole. Oui, c'est ma tout neno. La chose va arriver. Na ile kitu itafika. Je lis la dernière na citation. Na soma andiko ya mwisho. J'ai lu la dernière citation pendant que tu continues à dominer. Nasoma ndiko ya mwisho mwele wakati kunaendelesha na kutawala. Dominer tout. Tawala biote. La prédication Dieu. Maubiri Mungu. Amène son église à la perfection. Anapeleka kanisa yake kukamilifu. Qui est son église? Kanisa yake ni nani? C'est toi. Kanisa yake ni weye. Dieu. Mungu. T'amène anakupeleka à la perfection. Kukamilifu. Maintenant. Apa sasa apa. Il dit ceci. Anasema hivi. Paragraphe 17. Kifungaki ya 17. Vous voyez comment le diable vous vole. Munaona vile shetani yuko na mibia. Le diable vous vole. Shetani yuko na mibia. Oh, vous ne pouvez pas faire ceci. Awezi kufanya hivi. Tout est possible. Biote binawezekana. À ceux qui croient. Kwa bale banamini. Peu importe ce que c'est. Aizuru iwe kitu gani. Vous êtes. Wiko. Une partie de la divinité. Sehemu ya bumungu. Toi qui es là. Weye uyu kwa pa. Partie de la divinité. Sehemu ya bumungu. Eh bien mon frère, basi ndugu yangu, cela surpasse tous les anges. Amen. I inapitia ba malaika bote. Amina. Ça surpasse les archanges. Inapitia ba malaika bakubwa bote. Ça surpasse toute autre chose. Inapitia kitu yoyote ingine. Ça ce n'est pas le niveau des anges. I imambo aina mukipimo ya ba malaika. Ni des archanges. Wala mkipimo ya malaika bakubwa. Ça dépasse. I inabapitia. Ici, apa, c'est la divinité. Ni bumungu. Maintenant, sasa. Mon frère, nduku yangu. Pensons à Dieu. Tumuwaze Mungu. Voilà, j'ai sauté quelque chose. Mon frère, nduku yangu. Cela surpasse tous les anges. Hein? Ina pitia ba malaika bote, hein? Les archanges, hein? Et tout ça. Ba malaika bakubwa na bale bengi bote. Cela entre directement dans la présence du potier lui-même. Inaingia mara moja muwepo ya mfunyanzi ye mwenyewe. Et comment sommes-nous engendrés? Na banatuzala namna gani? Par le sang. Banatuzala kupitia damu. Amina. Alors, sasa, vous, moi, entrez dans la divinité. Munaingia mubumungu.
Amen. Amen. Vous entrez où? Munengia wapi? Dans la divinité. Mubumungu. On ne peut pas parler de la divinité sans toi. Abawezi kusemea mambo ya bumungu kama wewe unapo. Celui qui n'est pas entré, entre maintenant. Ule alikuwa shiaingia. Aingia hapa sasa. Entre. Ingia. Entre où? Ingia wapi? Dans la divinité. Mubumungu. Oh Seigneur. Eh hey, Bwana. Autrement dit, mukusema kwingine. Tu n'es plus spectateur. Hauna tena wa kuangalia mambo mbari. Mais kwa lakini participant. Wewe njoo kunafanya ile mambo. Ce n'est pas seulement le Dieu de frère Branham. Aina paka Mungu wa ndugu Branham. Mais ton Dieu. Kwa lakini Mungu wako. Vous entrez maintenant dans la. Unaingia sasa ndani ya bu Mungu. Écoutez comment ça poursuit. Sikia vile naendelea. Vous devenez une partie. Unakuwa sehemu. Vous êtes soudé à l'intérieur. Bana kuunga mule ndani. Il dit. Anasema. C'est ça qui rend Satan fou. Hii mambo. Njoo na mkuisha shetani majimu. Satan est devenu fou. Shetani anakuwa saki ya majimu. Maintenant que je parle là. Hapa niko nasema hapa. Satan est devenu fou. Shetani anakuya kia majimu. Il est fou. Parce que nous ne sommes pas de ceux-là qui arrêtent Dieu au calvaire. Chez atuna bale banashimamishia Mungu paka ku calvaire hapana. Nous ne sommes pas de ceux-là. Chez atuna bale qui arrêtent Dieu à Jeffersonville. Banachia Mungu paka ku Jeffersonville hapana. Alors Satan est sasa devenu apa fou. Shetani binamupitia na kuwa wa majimu. Qu'est-ce qui le rend fou? Ni nini na mukuisha wa majimu? C'est ça qui le secoue. Lorsque l'église de Jésus-Christ, wakati ile kanisa ya Yesu Kristo, reconnaîtra seulement ce qu'elle est. Itatambua tu kile iko. Qui est l'homme? Mutu ni nani? Mon frère, nduku yangu. Vous direz, utasema, je sais, mina jua, qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Hakuna kya nguvu kwa Mungu. Il a dit, arisemaka, à vous, kwenu, rien n'est impossible. Hakuna kya nguvu. Branham dit, amen. Branham anasema, amina. Il dit, cela change le sujet. Asema ile na badirisha mambo. N'est-ce pas? Sinjovile. Les gens disent nasema, à Dieu kwa Mungu, rien n'est impossible. Hakuna kya nguvu. Mais il a dit kwa lakini alisema, rien n'est impossible à vous. Hakuna kya nguvu kwenu. Tout ce que vous désirez byote bile munatamani, quand vous priez wakati ile muko naomba, croyez que vous l'avez reçu. Mwamini asema mulisha bipokea, et vous le verrez s'accomplir. Na mutabiona binatimizika. Amen. Na Bwana asema amina. Qu'est-ce qui rend Satan fou? Ni nini unamkuisha shetani majimu? Quand le sujet de la Bible change. Wakati mambo ya Biblia inabadilika. Il est écrit. Imeandikiwa. Rien n'est impossible à Dieu. Hakuna kya nguvu mbele ya Mungu. Mais ça change. Lakini mambo sasa inabadilika. Rien n'est impossible à William Branham. Inakuya hakuna kya nguvu mbele ya William Branham. Rien n'est impossible à El Rash. Hakuna kya nguvu mbele ya El Rash. Tu peux mettre ton nom? Unaweza kuweka jina yako? Rien n'est impossible. Hakuna kya nguvu à moi. Kwangu mie. Est-ce que tu peux te tenir debout? Et tu n'as pas si mama? Dis rien n'est impossible à moi. Hakuna kya nguvu kwangu. Pendant que tu dis ça, soyez là en train de penser. Pale kuna sema vile, anja kuwaza. Aux choses. Kubintu. Qui te semble être impossible. Bile unaona sema satu biku bya nguvu kwako. Et pensez au même moment que tu dois dominer ces choses. Na mwakati mwa moya waza sema wenjo napasha kutawala bile bintu bile. Les événements ne doivent plus te contrôler, mais tu dois les contrôler. Mamambo haipashe kukuchunguza wewe. Wewe ndio unapasha kuchunguza mamambo.
Rien n'est impossible à moi. Akuna kyanguvu kwangu akuna. À moi. Kwangu akuna kyanguvu. Rien n'est impossible. Akuna kyanguvu. Et continue, il dit. Anaendele. Restez debout. Bakia buima. Quelle quantité de foi vous pouvez utiliser? Unaweza kutumikisha imani ya bwingi kani? D'après ce que je l'ai constaté, kulingana na ile nilitambua, les problèmes, comme je l'ai dit l'autre soir, il y a deux différentes classes de gens. Mambo paka vile nilisema ile magharibi nyingine kuma kunji mbili ya batu. L'une, kunji moya, ce sont les fondamentalistes. Bali baki musingi. Les gens du point de vue position de la parole. Batu kuhusu msimamo ya neno. L'autre, ce sont les pentecôtistes. Ile kunji nyingine ni wampenta. Les fondamentalistes. Wa kimsingi. Et les pentecôtistes. Na wampenta. Les pentecôtistes ont la foi. Bampenta bo beko na imani. Les fondamentalistes connaissent leur position. Bakimsingi banajua neno mzuri. Ils croient. Banaamini. Mais kwa lakini, les fondamentalistes n'ont pas la foi. Bakimsingi banakosa imani. Pour faire valoir ce qu'ils croient. Njuu ya kupandiza yulu bile banaamini. Les pentecôtistes ont la foi. Bampenta bo beko na imani. Mais ils ne croient rien. Kwa lakini abamini kintu. C'est ça. Jovile. Écoutez. Shikia sasa. C'est juste comme un homme. Tu sais vile muntu. Qui a beaucoup d'argent en banque. Ule una pesa ya mingi mu benki. Mais kwa lakini, il ne sait pas signer un chèque. Ajue kutia saini kwenye cheki. L'autre homme, oui, mtu mwingine, s'est signé un chèque. Mais kwa lakini, il n'a pas d'argent en banque. Ana na pesa mu benki. Si je peux les mettre ensemble, kama mon frère, yangu, le millénium va commencer. Butamu butaanja pale. Les pentecôtistes Bampenta ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Baripokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mais kwa lakini, ils ont besoin d'être enseignés. Beko na lazima ya kupokea mafundisho. Ils oublient ce qu'ils sont. Banasabu akile beko. Oh mon frère, eh ndugu yangu, vous qui êtes né de nouveau, wewe uliozaliwa mara ya pili, vous êtes des fils, uko mwana, et des filles de na Dieu, na binti wa Mungu, vous êtes égaux à Jésus-Christ, uko pamoja na Yesu Kristo. Ego. Pamoya. Toi tu es ego à Jésus? Ou pas moi na Yesu? Dans le premier homme, Branham a été égal à Jésus. Donc c'est mutu wa kwanja Branham na alikuwa pamoya na Yesu. Vous voyez que je n'ai pas inventé ça. Shimuna sima mishku itunge le mambo ile. Branham et Jésus sont égaux. Branham na Yesu bego bote pamoya. Dans une certaine dimension. Cheo fulani. Par rapport à la mission. Mukulingana na kazi yabo. Maintenant toi tu es égal à Jésus. Wewe kupamua na Yesu. Rien n'est impossible à toi. Hakuna kya nguvu mbele yako. Tu n'as qu'à lever la main et dire amen. Wewe pandiza tu mkono yako useme amina. Amen, je l'accepte. Sema amina, mina ikubali. Je suis l'homme restauré. Mie niko muntu aliyerudishwa. Je sors ici pour dominer. Niko natoka hapa njunyende nikatawale. Tout ce qui m'a dominé ne va plus me dominer. Biote bile birini tawalaka. Abita nitawala tena. À partir de maintenant, le sujet change. Kwanza sasa mambo inesha badirika. Dites amen très fort. Sema amina nguvu sana. Si c'est le travail qui te domine, terminé. Kama ni kazi ilikuwa nakutawala, inaishi hapa. Tu commences à dominer sur le travail. Anza sasa wewe kutawala kazi. Oh Seigneur. Eh Bwana. C'est le chèque et l'argent. Ni cheki na pesa. L'autre a le chèque. Huyu mwingine kuna cheki. L'autre a l'argent. Huyu mwingine kuna pesa. Si vous mettez ensemble. Kama na baweka fashi moya. Le millennium commence. Millennium itaanja. Tu veux le millénium dans ta vie? On a peine d'un millénium, maïcha yako. Prenez le chèque et l'argent. Beba, na cheki na pesa. Dis ceci. C'est ma ivi. Je ne suis pas l'homme qui doit continuer à être dominé. Mie shina muntu uli anapashwa kuendelea ba mutawale tu. J'ai compris qui suis-je. Mie mina elewa niko nani. Par la grâce de Dieu. Kwa nema ya Mungu. Je suis à son image. Niko kwa picha yake. Aucun démon de famille. Hakuna ta démon na moya wa mufamilia. Aucun démon de la ville. Ata démon na moja wa mumaisha. Aucun démon de la tribu. Ata démon na moya wa kabila. Aucun démon de la venue. Ata démon na moja wa mbalabala. Ne va avoir l'emprise sur moi. Ata nitawala.
Je suis l'homme restauré. Mienjole muntu alirudishwa. Je domine. Miko na tawala. Je suis je dis. Niko na tawala kabisa. À partir de ce moment, kwanza pasasa hapa, rien ne sera plus impossible à moi. Akuta kwa tena kia nguvu mbele yangu. Vous savez que Dieu a tout créé par la parole. Unajua kwamba Mungu aliumba byote kupitia neno. Je te demande de prononcer la parole pour toi. Na kuomba utangaze neno kwa ajili yako. Alors prophétise, parlez. Tabiri pa maisha yako. Ne soyez pas me parler. Usiombe. Usiombe. Parle. Tabiri maisha yako. Sema. Parle, parle sema tu pa maisha yako. Sema nguvu kabisa pa maisha yako. Par rapport à la domination. Kulingana na vile unapasha kutawala. Parle sur toi. We sema pa maisha yako. Oh my. Oh my. Je crois en Dieu, il en sera tel qu'il a dit. Crois, obéis. Lève les yeux et dis. Oui, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Oh oui, je crois en Dieu. Alléluia. Il en sera tel qu'il a dit. Crois, obéis. Lève les yeux, dis. Oui, je crois en Dieu. Maintenant. Fata sasa. Lève tes mains. Pandiza mkono yako yulu. Accepte mon offrande. Kubali matoleo yangu. Amen. Accepte mon offrande. Kubali matoleo yangu. Je sors pour dominer. Mie mina toka kwa ajili ya kutawala. Je dois dominer tout ce qui m'avait dominé. Ninapasha kutawala yote yalinitawalaka. Je dois contrôler les événements. Ninapasha kuchunguza mamambo. Les événements ne doivent plus me contrôler. Mamambo haipasha tena kunichunguza. Hallelujah. Hallelujah. Mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant. À toi seul je veux
Seigneur, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau salut. Qu'un feu nouveau salut. Alléluia. Par ton amour à moi. Et dans mon cœur conçu même ce qui pendant que je vais dire quelques mots de prière. Mwakati le tasema maneno chache ya maombi. Dieu tout puissant. C'est toi le Dieu de la Bible. C'est toi qui as parlé. C'est toi qui es venu nous enseigner qui nous sommes. Pour nous restaurer à ce que nous avions perdu. C'est toi qui as montré la valeur de notre âme. Merci pour la connexion. Mon Père, pardonne nos faiblesses. Qu'un feu nouveau s'allume dans ma soeur, dans mon frère, pour consumer ce qui n'est pas toi. Ce qui est la nature du message, cela soit consumé maintenant. Au nom de Jésus. Alors que j'appelle ce feu, il s'agit du même feu. Il s'agit de cette colonne de feu qui accompagne l'Église du Nouveau Testament. Ce feu dévorant. Ce feu qui change les choses. Ce feu qui chasse la lourdeur, ce feu qui chasse la froideur, ce feu qui chasse le démon. Ton prophète nous a dit que ce feu-là que vous voyez sur la photo, elle tranche les démons. Ce feu loin les prédicateurs. Il nous dit que ce feu-là fait l'expiation du péché. Seigneur, ne laisse pas ma soeur comme elle était venue. Ne laisse pas mon frère comme il était venu. Nous avons entendu parler de toi. Nous voulons te voir. Jésus, toi le grand Saint-Esprit. La parole a été démontrée. Maintenant, c'est à toi. Alléluia. C'est à toi de transformer les gens. C'est à toi de changer les choses dans leur vie. Ils ne peuvent pas partir comme ils étaient venus. Que ce feu-là les accompagne. Quand ils quittent ce portail, ils sentent le feu-là dans leur vie, dans leur cœur.
dans leurs véhicules, même les véhicules de transport qu'ils vont prendre, qu'ils sentent cette présence en train de les accompagner. Parce que le Dieu de Branham est vivant. Le Dieu de Branham n'est pas mort. Le Dieu de Branham circule. Le Dieu de Branham touche. Le Dieu de Branham est en train de palper. Le Dieu de Branham est en train de bénir. Le Dieu de Branham est en train de toucher. Le Dieu de Branham est en train de bénir maintenant. Bénis cette femme-là. Enlève la maladie. Quelle que soit la maladie, ils partent avec la joie de savoir que j'étais dans la présence de Dieu. Et ce Dieu-là m'a guéri. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, c'est toi que je sens. C'est toi que mon frère sent. C'est toi que ma soeur sent. Cette présence invisible, le surnaturel. Alléluia. Oui, feu divin. Oui, colonne de feu. Oui, l'ange de l'alliance. Tu nous as promis que tu vas confirmer la parole comme venant de toi. Merci Seigneur. Le grand Melchizedek. Merci Jésus. Oh yes. Oh alléluia. Gloire soit rendue à ton nom. Oh merci Jésus. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne changeait pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne changeait pas. Oh Seigneur. S'il avait guéri hier, il guérit aujourd'hui, il guérira demain. Jésus ne change pas. S'il a délivré hier, il délivre aujourd'hui, il délivre demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il avait rempli hier, il remplit aujourd'hui. Il remplira demain. Jésus ne change pas. S'il avait béni hier, il bénit aujourd'hui. Il bénira demain. Jésus ne change pas. Oh alléluia. Hier aujourd'hui à jamais. Au long de feu. Hier aujourd'hui à jamais. Oh Seigneur. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier aujourd'hui à jamais. Seigneur Jésus. Hier aujourd'hui à jamais. La grande lumière. Hier aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. S'il a purifié hier, il purifie aujourd'hui. Alléluia. Il purifiera demain. Jésus ne change pas. S'il a élevé hier, il élève aujourd'hui. Il élèvera demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier aujourd'hui à jamais. Seigneur Jésus. Hier aujourd'hui à jamais. La grande onction. Hier aujourd'hui à jamais. Oh Seigneur. Jésus ne change pas. Jésus. 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 Le Dieu de Branham. Le Dieu de Meyonga. Le Dieu de fellowship, le Dieu de Niue, agit.
Agis, Père. Agis, Seigneur. Oh Dieu. Ta présence nous fait du bien. Ta présence, ta présence. Ta présence. Quand ta présence est là, les malades sont guéris. Quand ta présence est là, les gens sont bénis. Quand ta présence est là, les gens sont pardonnés. Quand la présence est là, les gens sont élevés. Quand la présence est là, les gens sont délivrés. Masikana uti penena kokendeo. Kotambola na kotambola. Yesunde sungie. Masikana uti o penena kokendeo. Kotambola na kotambola. Yesu nde lisungi kolona bolingoe kolona mungu kolona bolingo kolona mungu kolona bolingoe kolona kolu kolona bolingo kolona kolu eya butu tomoyi. Lisunga ba moyinanga eya nona mituna nanga eya bututa moye Yesu nde sungie lisunga ba moyinanga eya nona mituna nanga molili makasi pene aina kokoma mabaku nanzela Yesu nde lisungi nanga Molili makasi Pene ngaina kokoma Mabaku nanjela Yesu nde lisungi Kolona bolingo e Kolona bolu Kolona bolingo e Kolona Kolona bolingo e Kolona kolu Kolona bolingo Kolona kolu Seigneur Jésus que cette onction essuie les larmes de nos yeux que cette onction nous place que cette onction nous positionne que cette onction amène cette église dans la dimension de la victoire. Que cette onction change la vie des hommes. Que cette onction change la vie des femmes. Colonne de feu. Fais quelque chose. Essuie les larmes de nos yeux. Et donne-nous la joie. Donne à chacun la délivrance. Une délivrance totale. Nous sortons de cet endroit avec la domination sur la maladie, sur les péchés, sur le démon, sur les échecs, sur la pauvreté, sur les raillés, sur les ratés, sur le manquement, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Père, merci pour la divinité. Merci pour la parole faite chère. Merci pour ta présence. Que les malades soient guéris. Que les nécessités trouvent des solutions. Que les problématiques soient délivrées. Que des maisons soient visitées. Que nos enfants soient sauvés. Que nos mariages soient restaurés. Que nos foyers soient rétablis. Quelle onction de vie accompagne chacun. Seigneur, si quelqu'un était venu faible, qu'il soit fort. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh, oh.
Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, oh. Alléluia. Papa, nous t'élèverons, nous t'acclamons. Nous te magnifions. Nous poussons des cris de joie à ton honneur. À toi la louange. À toi la gloire. À toi la magnificence. Que chacun parte avec ta victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Oui, calé. Asseyez-vous. Oui, calé. Levez-vous d'abord, vous tous encore. Levez-vous. Respectez les mouvements de l'esprit. On n'est pas têtu à l'esprit. Levez-vous. Lève ta main. Baissez-le. Bichouche. Lève. Commencez à être guéri ici maintenant. Commencez à être guéri. Ici, apa. Cette colonne de feu a quitté la photo. Elle est là où vous êtes. Eko pale mweko. En train de distribuer. Iko na gawanya. À chacun. Kwa kila mutu. Selon son désir. Fatana na itaji yake. Pas les besoins mais les désirs. Aina itaji lakini nia. Ce que tu désires. Ile una uko nayo kama nia. Tu l'as déjà reçu. Usha kuipokea. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Commencez à dominer maintenant. Anza kutawala hapa sasa. Qui peut dire amen, amen, amen. Mina, 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 mina. Merci, voyez vous asseoir. Asante mona pasha ikala. Respectez cette onction mes amis. Mheshimia yupako rafiki. Quand tu arrives à la maison, même si tu veux manger, il te dit commence d'abord à prier. Respectez. Même si tu as sommeil, il te dit lève-toi. Parce que cet ange, je le mets avec vous. Il doit aller avec toi maintenant. Chez toi à la maison. Et tu vas écouter sa voix parler. L'ange là n'est pas à moi seul. Partez avec lui. Amen, amen, amen. Allez commencer à dominer. Bien. Sinon j'irai jusqu'à 20h. Frère, venez saluer l'église. Venez. Bonjour l'assemblée. Salama makutano. Moi je m'appelle au nom de pasteur Simba, je viens Manyema. Niko mchungaji Simba natoka Manyema Kindu. Précisément dans le territoire de Kabambare. Territoire ya Kabambare. Mon église s'appelle Malachi 4 Tabernacle. Je suis venu avec mon épouse et mes enfants, nous sommes ici. D'abord, nous pouvons être ensemble ici. Que Dieu vous bénisse. Mungu wa mibariki. Accent. Mungu mibariki. Lela. Bibi yako yuko hapa. Merci. Asikukuya hapa. Alikuya epeke leo. Malachi 4 Tabernacle. Malachi ine maskani. Frère, amène-moi la machine, papa. Vous appréciez. On va présenter un couple qui sera marié dimanche prochain. Le frère